On va parler de choses très sérieuses. Les règles du monde, comment le monde y fonctionne, et tout le secret du libre arbitre. Dans la paracha de la semaine, parachat Shemini, il y a écrit Vayehi Bayom Hashemini, Kara Moshe le Aaron le Banav les Ikne Israël. Le huitième jour, Moshe Rabbeinu il a appelé Aaron, ses enfants, et tous les anciens de Israël. Alors, le huitième jour de quoi? Il n'y a pas écrit dans la Torah. On ne sait pas c'est quel huitième jour. Huitième jour à partir de quoi? Le huitième jour du mois, le huitième jour, on ne sait pas. Et les Chachamim, ils ont parlé à ce sujet, c'est quoi le huitième jour? Bayom Hashemini, quel huitième jour? Chacun il dit ce qu'il dit. Et Rashi rapporte la DA la plus reçue par tout le monde, c'est on parlait du huitième jour depuis le commencement du travail du Beit Hamikdash. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Beit Hamikdash, il a commencé à faire quand il a été construit le Beit Hamikdash, Hachem il nous a demandé de faire le Mishkan tout de suite après qu'on est sorti d'Égypte. Dès qu'on est sorti d'Égypte, Hachem nous a demandé de faire un Mishkan. Et le Mishkan, on a commencé à le construire le lendemain de Yom Kippour. Le Yom Kippour de la première année qu'on est sorti d'Égypte, le lendemain de Yom Kippour, le 11 Tishri, ils ont commencé à faire tous les travaux. À ramener le bois, ramener l'or, l'argent, les fils, les trucs, tout ce qu'il fallait. Et ils l'ont construit jusqu'à quand? Jusqu'au 25 Kislev. Donc Tishri, Cheshvan, Kislev. Presque 3 mois de travail, ils ont fait tout le Mishkan. À Hanouka. Le premier jour de Hanouka, c'est là où ils ont terminé complètement tout le Mishkan. Le Mishkan était prêt. Maintenant, le Mishkan, il était tout prêt, mais les murs, ils étaient en bas. C'est-à-dire les murs de tout le Mishkan, ils n'étaient pas encore mis debout, emplacés, attachés. Ils étaient par terre, déjà montés, et tout ce qui était dedans le Mishkan, il était monté. Tom, Moshe Rabbeinu, il vient. Il vient pour essayer de commencer à faire le Mishkan. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit non, pas maintenant. Pas maintenant, attends. Bon, il attend. Le Mishkan, il est prêt, tout est prêt, tout est... Et on attend qu'il se lève. Tevet, Shvat, Adar. 3 mois, le Mishkan, il est là, et il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Tout le peuple juif, ils se sont dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on a fait une maison pour Hachem, et Hachem, il ne veut pas venir. Parce que le commencement du Mishkan, c'est obligé que ça soit Hachem. Mamash, qu'on voit Hachem, qu'il est là-bas. Donc Moshe Rabbeinu ne voulait rien faire tant qu'il ne voyait pas la providence divine, mamash, un feu, quelque chose de où c'est un tampon qu'Hachem il dit, je suis là avec vous. Et là, ça fait 3-4 mois, le Mishkan il est déjà prêt, on est sorti d'Égypte, et tout le monde se pose des questions, le Ham Israël, le peuple juif, Moshe Rabbeinu, tout, on se pose, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de mal qu'on a fait. Et voici que le Chavbet Adar, le 22 Adar, 7 jours avant le Aleph Nissan, le 22 Adar, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, prépare-toi et commence à t'habituer dans le travail du Beit Hamikdash. Ah, là, pour la première fois, Moshe Rabbeinu, il rentre. Et c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui va commencer à faire des sacrifices. Tous les sacrifices qu'il va faire, ce sont des sacrifices, c'est comme un échauffement. C'est pour s'habituer au travail, comme c'était un nouveau travail. Jamais on a fait des sacrifices, jamais on a travaillé dans le Beit Hamikdash, dans le Mishkan. C'était compliqué, tout ce qu'il fallait faire, le matin, les encens, l'huile, l'eau, il y avait un très grand travail. Alors HaKadosh Baruch Hu, il appelle Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, va, commence à t'échauffer dans le travail pendant 7 jours. Pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, il recevait des corbanotes du Ham Israël, et Moshe Rabbeinu, il faisait le sacrifice, tout ce qu'il fallait faire. Moshe Rabbeinu, il était content, c'est lui le Kohen Gadol. Et qu'est-ce qui se passe? Rosh Chodesh Nissan, Aleph Nissan, le huitième jour, Vayehi Bayom Hashemini. C'est ça, Vayehi Bayom Hashemini.
C'est quoi le huitième jour? C'était quand le huitième jour? Le huitième jour du commencement du travail du Mishkan. Le huitième jour, Moshe, Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe Rabbeinu et il lui dit, Moshe, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était très bien. Maintenant, la Keuna, tu vas la donner à ton frère. Et ça, il le savait. Non. Pour la première fois, Moshe Rabbeinu, il a reçu un vrai coup que lui, il croyait que c'était lui le Kohen Gadol et c'est lui qui devait être le maître de tout ce qui se passe. Et apparemment, Akadosh Baruch Hu lui a juste donné le goût et lui a pris la Keuna et il a donné à son frère Aaron et à ses enfants Nadav, Avihu et Elazar Veitamar. Mais quand il a parlé pendant une semaine avec Hachem qu'il ne voulait pas y aller, ouais. À la fin, c'est là où il a perdu la Keuna. Ce qu'il a écrit, c'est que comme au tout début, quand Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe pour lui dire « Va faire sortir les bénis Israël d'Égypte », Moshe Rabbeinu, pendant une semaine, il lui a dit non. Jusqu'à qu'à la fin, il lui a dit non. Et là, il a emmené Aaron. À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, ce que tu m'as fait pendant une semaine, tu n'as pas voulu prendre la... Eh bien, ta punition sera, c'est que tu vas goûter le goût du Kohen et je vais te le prendre au septième jour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu aller pour la première fois. Quand je t'ai demandé d'aller sauver le peuple juif, pendant une semaine, tu as dit oui, je suis apte, je ne suis pas apte, je ne sais pas, etc., etc. Et ça, c'était la punition. C'est pour la raison pour laquelle Vayi Bayom Hashmini, le huitième jour du commencement du travail, du Bet Hamikdash, c'était quand? C'est tombé quand, il dit Rashi? Aleph Nissan, le Rosh Hashanah, la Menachim. Le premier Nissan, c'est là où Moshe Rabbeinu, il a donné, donc il a appelé tout le Ham Israël, et devant tout le monde, il a donné la Keuna. Et il a dit, sache, Aaron, que je suis très content de te donner la Keuna, de la même façon que toi aussi t'étais content quand Hachem il m'a choisi pour sauver le peuple juif. Parce que vous savez que Moshe Rabbeinu, c'était le deuxième. Il y avait Aaron HaKohen, il y avait... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aaron HaKohen, il reçoit la Keuna Gdola, il devient le Kohen Gadol. Avec Nadav et Avihu, Elazar et Itamar, ils sont loin de la Keuna Gdola. Ils se loin tous de la Keuna Gdola. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, Kaviyachol, il perd un petit peu de son statut. Alors, voici le premier pasouk de la paracha de la semaine. Et moi, il y a plusieurs questions. Première question, pourquoi la Torah n'a pas dit tout simplement le Aleph Nissan? Pourquoi elle a dit le huitième jour? Ça doit m'apprendre quelque chose que c'était le huitième jour. Pourquoi il précise? C'est pas une précision qui est importante à la première vue. Deuxièmement, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il donne d'abord à Moshe la Keuna et après il enlève à Moshe et il la donne à Aaron? Pourquoi tu fais quelque chose comme ça? Dis depuis le départ que ça sera Aaron le Kohen Gadol. C'est un peu compliqué. Kadosh Baruch Hu, pour lui, Moshe Rabbeinu, il a pris ça durement. Et on voit que ici, rien de tout ça s'est écrit dans la paracha de la semaine, comme si que c'était quelque chose de très simple. Et vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Et on ne met pas le point à ces sujets-là. Alors pour comprendre tout ça, il y a une Torah dans le Likutei Moharan, que c'est la seule Torah qui appartient à la paracha de la semaine. Normalement, chaque paracha, il y a plusieurs Torah du Likutei Moharan ou du Likutei Halachot. Dans cette paracha de la semaine, c'est une paracha qui est unique à une seule Torah. Toute cette semaine, Rabbeinu il a dévoilé une Torah, que cette Torah-là, c'est toute la définition de ce qu'on va lire cette semaine. Et mes amis, ce sont des choses qui sont vraiment très importantes. On en a déjà parlé, mais cette fois-ci, je voudrais essayer un peu de rentrer dans ça pour qu'on puisse essayer de vivre ces choses-là. Donc c'est important de ne pas que m'écouter et d'essayer de bien comprendre ce que je vais vous dire et de rester un peu bien concentré et essayer de rentrer dedans. Ça veut dire, c'est pas juste un cours où on vient, on s'assoit et on part après que le cours est terminé. C'est d'essayer de rentrer un peu plus. La Torah numéro 70 du Likutei Moharan nous parle d'un des dévoilements à l'époque de Rabbeinu, qui était un dévoilement qui est énorme. Et Rabbi Nachman, il a pris une connaissance scientifique qui existe aujourd'hui et il a adapté ça au niveau spirituel. Il a expliqué complètement dans la spiritualité comment ça fonctionne. La théorie qu'on connaît tous, c'est
ce que Newton il a découvert il y a 200, 300 ans, la force de l'attraction et la force de la répulsion. Comme quoi dans le monde, il a dans son, le noyau de la planète, il y a une force d'attraction. Cette force d'attraction, elle fait quoi? Elle attire tout vers elle. C'est grâce à ça que les êtres humains, ils ne s'envolent pas en l'air et l'eau ne s'évapore pas et que tout ce qui se passe dans le monde, le fait que la Terre, elle est ronde, pour que les gens ne tombent pas quand ils sont en bas ou quand ils sont en haut, ou dans les... pour les gens, ils puissent savoir qu'on peut vivre sur la planète Terre, Akadosh Baruch Hu, il a créé une puissance, une force, une énergie, que cette énergie, elle s'appelle la force de l'attraction. C'est quoi la force de l'attraction? C'est une force qui n'existe pas que dans la planète Terre. C'est une force, il dit Rabbi Nachman, que cette force, elle existe dans toutes les créations qu'il y a. Il y a cette force de rétraction. Attraction, oui. D'attraction. Une force d'attraction, pardon. Ouais. C'est quoi la force de l'attraction, mes amis? Alors, la planète, nous, ça nous attire. Quand un homme, il saute, il ne peut pas rester en air, dans l'air. Il est obligé de revenir sur Terre. Pourquoi? Ça s'appelle la force de l'attraction. La Terre, elle nous attire vers elle. La Terre, Akadosh Baruch Hu a fait, il a mis dans la Terre une force qui attire les choses vers elle. D'accord? Maintenant, dans tout, par exemple, dans un arbre, dans une vache, dans un moustique, tout ce que Hachem il a créé, il a mis en elle, même en nous, même l'être humain, il a mis en nous et dans toute la création une force d'attraction. D'attraction de quoi? Puisque nous, on n'attire pas les choses vers nous. Donc c'est quoi qu'on attire vers nous? C'est notre vitalité. Quand par exemple quelqu'un il a faim, qu'est-ce qui se passe? Il a une force d'attraction vers sa vitalité. Il faut qu'il mange. Alors il va se lever, il va sortir dehors, il va chercher. Il va s'attirer vers sa vitalité, ce qu'il a besoin. Quand quelqu'un il est fatigué, il arrête de penser. Son cerveau il arrête de penser et il est attiré par quoi? Par dormir. Pourquoi? Parce que c'est pour sa vitalité. On est tous attirés par la vitalité, notre vitalité, notre propre vitalité. Si on n'aurait pas cette force-là, alors jamais on aurait fait attention à nous-mêmes et on serait laissé aller, on ne dormirait pas, on ne mangerait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette force d'attraction. Mais comme Hachem, il nous a mis cette force d'attraction à nous et partout dans le monde et dans toute la création, c'est ça qui fait en sorte que ça nous donne de la force à tenir dans ce monde-ci et à rester bien en vie comme il faut. Toutes les règles de la nature qu'il y a dans ce monde, il dépend de la force de l'attraction. Maintenant, automatiquement, quand il y a une force d'attraction, il y a la force qui est le contraire de l'attraction. C'est la répulsion. C'est quoi la répulsion? La répulsion, c'est que j'arrive à détacher la chose de moi, j'arrive à me détacher de la Terre. Si je saute, par exemple, j'ai une force de répulsion qui arrive à combattre la force de l'attraction et qui me détache de la force de l'attraction. Mais au moment où ma force à moi de répulsion, elle s'arrête, je suis re-attiré vers la Terre. Je suis re-attracté vers la Terre. Est-ce que vous comprenez ou c'est des mots un peu compliqués? C'est des choses hyper, hyper, hyper simples. Il n'y a pas plus simple que ça. Maintenant, cette notion-là n'existe pas, mes amis, que dans la planète Terre, avec tous les objets qu'il y a sur la Terre. C'est ça ce que moi, je veux vous expliquer. Cette chose-là, ça existe dans tout, partout. Et chacun en fonction de sa vitalité. Comme ça, ça fonctionne. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, moi, je vais vous expliquer comment ça marche dans la spiritualité. Et là, mes amis, il faut que vous ouvrez bien grand vos oreilles et votre cœur. Et là, Rabbi Nachman, il dit, avant que Newton, il a tout dévoilé, tout ça, c'était quelque chose qui était bien compris, cette chose-là. Écoutez bien. Il y a une force, écoutez maintenant, dans la spiritualité, avec tout ce qu'on connaît sur l'attraction et la répulsion. C'est que Newton, c'est un juif. Isaac Newton, pour de vrai, vraiment. Ouais, ça se peut. Isaac peut. Newton. C'est pas comme les notes. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, si la Terre, c'est elle qui attracte vers elle, qui attire vers elle tout, parce qu'elle a la force de l'attraction. Alors, il y a dans le monde spirituel, il faut que vous compreniez, mes amis, que dans ce monde-ci, on ne peut pas servir Hachem. Sachez-le, hein.
Dans ce monde-ci, on ne peut pas servir Hachem. Ce monde n'est pas fait pour qu'on le sert Hachem. Non. Et là, t'arrêtes non. Encore sur un monde. Hein ? Non, pas ça du tout. Dans ce monde-ci, mes amis, Hachem a créé ce monde d'une manière qu'on ne peut pas servir Hachem. T'es obligé d'aller au travail, de gagner de l'argent, de t'occuper des choses de la banque, de l'arnona, de ta femme, de tes enfants. Mais il y en a qui font pas tout ça. Hein ? Il y en a qui sont dans l'étude tout le temps. Ouais, mais l'étude, c'est pas ça la voie d'Hachem. Ouais. La voie d'Hachem, c'est autre chose. C'est ton cœur. Aujourd'hui, quand tu vas aller étudier toute la journée, tu es obligé de t'asseoir dans un collège où tu reçois de l'argent, où tu es obligé à entendre ton Rosh Yeshiva, tu ne peux pas étudier ce que tu as envie. Et ainsi de suite. Le vrai Avodat Hashem, même dans le monde Haredi, on ne peut pas servir Hashem. Servir Hashem, c'est autre chose. Dans ce monde-ci, comment il est conçu ce monde, tu ne peux pas servir Hashem. On ne peut pas servir Hashem. Même à Bnei Brak, même à Mea Shearim. Je ne parle pas. Je ne parle pas juste que ceux qui habitent à côté des Goïms. Je te parle surtout ceux qui habitent à côté des Goïms et des Chilonim. Mais il faut savoir que c'est pareil pour les gens qui habitent à Mea Shearim et à Beth Shemesh et à Bnei Brak. La difficulté, elle est pareille. Pourquoi ? Non, s'il n'a pas besoin, c'est aussi la même. Non, mes amis, je vais vous expliquer. Tu parles de la notion d'Hachem vis-à-vis de nous. Moi, je parle de la notion de l'attachement, toi, envers Hachem. Moi, envers Hachem. Hachem, il est toujours proche de nous. Il est toujours à côté de nous. Et il a un contact avec nous tout le temps, là où on est. Le problème, c'est moi vers Hachem. Hachem vers moi, c'est tout le temps. Mais moi, comment moi, je me détache de ce monde, de la façon de comment il est fait, ce monde, pour que je puisse m'attacher à Hachem, ça, c'est un très grand problème. C'est pas juste, je parle pas de Torah ou Mitzvot. Torah ou Mitzvot, on peut appliquer partout. Tu parles de forêt alors quand tu dis comme... Non. Alors écoute bien, je vais t'expliquer, c'est des choses qui sont simples. Là, ce que je vais vous dire, c'est pas juste une Torah. C'est les lois, de la même façon que la Terre, elle a une force d'attraction, etc. Que c'est une loi, ça. D'accord ? Demain, ça n'existe pas qu'il n'y a plus de force d'attraction. Et que d'un coup, tout le monde, on s'évade. C'est une loi qui est naturelle. De la même façon, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est une loi qui ne change pas, il ne bouge pas. Dans ce monde-ci, c'est très compliqué. Tout ce qu'il y a dans ce monde nous éloigne et nous écarte de Dieu. Voilà. Il faut le savoir. Tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Vous savez pourquoi ? Parce que ce monde, en vérité, dans la spiritualité, c'est la répulsion. Je vais vous expliquer de quoi je vous parle. Vous savez, mes amis, la terre, elle a la force de l'attraction. C'est pas pour rien que c'est la terre qui a la force de l'attraction. Il dit, Rabbi Nachman, la terre, c'est équivaut à quoi ? À l'humilité. À l'humilité totale. La terre, tu marches dessus et elle te donne de quoi manger. Elle se tait, elle dit rien. La terre, elle est froide, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'odorat. C'est quelque chose de plus ou moins mort, c'est presque minéral. C'est le niveau le plus bas de l'élément qu'il y a dans le monde. C'est le niveau le plus humble, le plus bas, le plus moins d'honneur, moins de tout. Rabbi Nachman, il dévoile un chidouche énorme. Rabbi Nachman, il dit, plus un homme il est humble, comme la terre, plus lui, il a la force de l'attraction. Ça veut dire quoi ? Il arrive à attirer vers lui plein d'amis, de l'argent, tout, c'est la force de l'attraction. De la même façon que c'est quoi la force de l'attraction dans ce monde-ci ? C'est la planète Terre, c'est la Terre. C'est la Terre en elle-même. La Terre, le sable, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est au niveau que tu piétines. Les avanim, comme on dit, les pierres, tout ce que, là où tu marches dessus. De la même, pourquoi elle a une force d'attraction, il dit Rabbi Nachman ? C'est parce qu'elle est humble. Plus tu es humble, plus tu as de la force de l'attraction. Tu attires vers toi tous tes besoins. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, viens, on fait à l'envers. Plus tu as de l'ego personnel, plus tu as de l'orgueil, plus tu as, même, n'appelez pas ça de l'orgueil, appelez juste de la... L'ego. Même pas, c'est-à-dire, le plus simple, tu as quelque chose de toi-même, moi, je pense. Moi. Dès que tu dis je pense, t'es plus un ave. Parce que le jeu, ça voilà, c'est terminé. C'est-à-dire, tant que t'as quelque chose de toi-même,
Tu as une force d'attraction par rapport à la Nava, mais pas comme il faut. Plus tu as... Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est pire. C'est tout ce que tu as de Gava, c'est une force de répulsion. C'est-à-dire quoi, une force de répulsion? C'est-à-dire, c'est toi-même, qui enlève tes propriétés à toi. Toi-même, tu les jettes. Pourquoi? Parce que j'ai de l'honneur. J'ai de l'honneur. J'explique comment... Alors, j'explique comment ça fonctionne, par exemple, dans ce monde, Stam. D'accord? Maintenant, si je te dis... Alors, de la même façon que dans la planète Terre, il y a la force de répulsion. C'est quoi la force de répulsion? C'est que malgré la force de l'attraction, j'ai la possibilité quand même de détacher un objet de la planète. J'ai... Comment? Juste en le prenant. De la même façon, il faut savoir une chose. De la même façon, un homme, il a la possibilité de se détacher de sa propre, de tout ce qui lui appartient. Le Rabbi Nachman, il dit, il y a bien un endroit central où là-bas tout se passe dans la spiritualité. De la même façon que dans la planète Terre, le noyau, c'est là-bas le point central où il attire tout. Donc, spirituellement, il doit avoir quelque chose où c'est là-bas l'essentielle force qui attire. Alors, il dit Rabbi Nachman, oui, ça existe. C'est quoi? Le tzadik. Alors, il dit Rabbi Nachman, il y a un passouk où on dit « Vetsadi qui est sod olam ». Alors, maintenant, Rabbi Nachman, il rapporte le Harizal dans « Shara Gilgulim, Agdama Lamed Aleph ». Ça, c'est le Ari HaKadosh qui dit. Qu'est-ce qu'il dit, le Ari HaKadosh? Il dit « Hachem a créé un homme. Il a créé un homme, à part tous les hommes. Il a créé un homme que cet homme-là, c'est la racine de tous les autres. » Un Kalman? Non. C'est, il appelle ça un tronc d'arbre. C'est le tronc. Le tronc où ses racines, ils sont complètement enracinés dans la terre. Et il dit, et toutes les branches qui sortent, cet arbre, c'est tout le peuple d'Israël avec tous les tzadikim. C'est-à-dire même les très grands, maintenant tous c'est en fonction, plus tu es un tzadik, plus tu es proche du tronc. Plus tu es loin du tzadik, plus tu es loin. Ce tronc-là, c'est le tzadik. Il y a un seul tzadik. Son travail à lui, c'est ça, c'est d'être la racine de tout, de tout. En fait, ce tzaddik-là, il est tellement humble, il a une humilité, comme personne ne peut comprendre son humilité, chez lui est la force de l'attraction mondiale. Quelle force d'attraction? Il arrive à attirer le monde en entier vers lui. Mais ça, déjà, Hachem, il a cette humilité, donc c'est... Non. Adonai Malach Geout Lavesh. Hachem, c'est vrai qu'il est humble. Mais c'est lui et que lui qui doit avoir du kavod et de la gaava, etc. Akadosh Baruch Hu, son travail à lui, c'est de nous donner ça en bas. En haut, ça n'existe pas, c'est en bas. Donc, c'est pour ça qu'il a donné ce ignan-là aux êtres humains. Et à quel être humain? À un tzadik. Que ce tzadik, c'est le tzadik Yesod Olam. C'est comme ça que c'est écrit dans le Tanakh. Il n'y a pas écrit Vetsadikim, il n'y a pas écrit en pluriel, il y a écrit en singulier. Il y a un seul tzadik. On n'appelle pas Moshe tzadik, par contre on appelle Yosef pas tzadik. Yosef, ouais, dans la Torah elle-même. Non, mais que t'as dit, c'est marqué que Rabbi Nachman, il a marqué Vetsadik et Sodolam. Ouais. Ça c'est marqué dans le Tanakh, ça. Dans le Tanakh, ouais. Dans Michelet. Mais Rabbi Nachman, il en parle de ça. Ouais. Là, il en parle, dans quoi? Dans l'Ikut HaMoran, il en parle. Ouais, bien sûr. Dans cette Torah-là. Vetsadik, c'est quoi Yesod Olam? C'est quoi Yesod? Yesod, c'est le fondement du monde. Comment tu peux expliquer ça logiquement, le fondement du monde? Il dit Rabbi Nachman, la force d'attraction. C'est lui qui attire vers lui tout et grâce à lui, il donne la possibilité. Mamash, maintenant, dans la spiritualité, comment ça fonctionne? Dans la spiritualité, dans ce monde-ci, tu ne peux pas servir Hachem. Sache-le. Donnez des exemples. Pour avoir des semblants, c'est-à-dire. Oui, ça a l'air, on sait que c'est un. Non, c'est pas semblant, je ne parle pas de ça. Je parle. Si, tu dis qu'on ne peut pas servir Hachem. Je vais vous dire. Par rapport à quoi? J'avais pas bon. Alors laissez-moi juste avancer. Du vrai service. Non, mais du vrai service. Qu'on comprenne. Parce que tu vas avancer, mais non, comprends-moi, parce que tu nous dis on ne sert pas Dieu. On ouais. Sert servir Dieu dans ce monde. Ok. D'abord, je vais t'expliquer comment, et tu vas voir c'est quoi mon. C'est quoi servir Dieu? Ouais, alors attends. Non, c'est ça que je vais nous expliquer, la différence entre ce qu'ils pensent et ce qu'on veut servir. Un juif, il est venu dans ce monde-ci pour appliquer toute la Torah de A jusqu'à Z. Ça, c'est pas donné au tzadikim, c'est donné au monde en entier, du plus bas, aujourd'hui. Où on en est, Mika?
on applique tout comme c'est écrit. Alors il y a un problème. Ou de lui, ou de je ne sais pas où. Parce que Hachem ne peut pas nous ordonner des choses qui sont trop difficiles à le faire. Donc si j'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a un problème. Mais il y a un problème de base alors. Mais c'est ça, c'est ça le problème de base. Oui, exactement, bah exactement. Donc, alors, mais ça c'est une vraie question mon frère. Dans la Torah, il y a écrit qu'il faut garder le brit. Parfaitement. Dans la tête, les cerveaux. Où on en est, nous? Alors, maintenant le problème... C'est pas que nous, ça date depuis le début. Alors, il y a un problème, alors. Comment ça se fait? On l'a pas su jusqu'à ce que Rabbeinu vienne et il dévoile cette chose-là. Nahon. Ça c'est certain. C'est certain, parce que c'est là où je veux en venir. Mais même en l'ayant dévoilé... C'est là où je veux en venir. Toujours là. De quoi? Yosef Hatzadik. Non, mais tout la Torah, tu vois, Yosef Hatzadik, tu connais les... Non, les problèmes, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, les problèmes, ils sont là. Et ça empire. Mais le problème, moi je te pose une question, Mika. Moi, je veux être un bon juif, d'accord? Je veux être un bon juif. Et à la première vue, c'est pas aussi facile que ça. Même celui qui fait des efforts, et même beaucoup d'efforts, il y a un moment où tu craques. Alors ça se peut pas. Mais tu parles de la perfection, Nathan. Mais non! Mais je te parle pas de la perfection! C'était ça mon problème. Non, thèse. Juste d'appliquer ce qui est écrit simplement. Mais appliquer... Ça, c'est pas la perfection. La perfection, c'est d'être comme Rabbeinu. Ça, c'est une perfection. Mais d'appliquer la Torah, c'est ce qu'on demande à chaque juif. Oui, toute la Torah. Alors, tu sais quoi? Même ce que tu peux, fais-le. Même la moitié, même. Ce que tu peux, fais-le. Mais il faut le faire avec la joie et l'amour. Oui. Mais ça, c'est la chose la plus dure. Tu peux pas appliquer, moi, en tout cas, je sais, tu peux pas tout faire avec joie et amour. Et tout, c'est une guerre, ça te prend la tête. Donc, mieux vaut s'appliquer à faire. C'est une mitzvah top et t'es content quand tu l'as fait tout. Et bien, tu verras que même quand tu veux prendre une seule mitzvah parmi les 613 à la faire comme il faut, tu verras que même là-bas, t'as des problèmes. Ouais. Alors, on dirait qu'on se fout de moi. Mais de toute manière, c'est un monde de mensonges. Mais arrête, non, pas d'en haut, pas d'en haut. On se fout, je comprends pas, il faut savoir. Ça se peut pas que c'est aussi difficile. Il a donné une mitzvah à un homme, il l'a pas faite. Alors, nous, on avait 113, on monte un petit peu. Alors, cette question-là, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi vous la posez pas ou vous avez arrêté de vous la poser? C'est parce qu'on a fait tous Yéhouch dans notre cœur que bon, allez, vas-y, on fait ce qu'on peut, c'est tout, très bien, bah, au prochain. Mais les gars, il faut pas. Lui, Rabbeinu, lui, ça lui grattait, ça. Ah, ça lui grattait. Alors là, Rabbeinu, il donne toute l'explication mamache. Hachem a créé ce monde. Nous, le corps et l'âme. Le corps et l'âme, ce sont deux forces les plus contraires qui puissent exister dans le monde. Comment ? L'âme, elle veut être aspirée en haut et le corps, il veut être aspiré en bas. Donc, en moi-même, j'ai la force de l'attraction. Et en haut et en bas, je m'étire des deux côtés. Et ça, c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, j'ai deux forces qui m'aspirent, une d'en haut, une d'en bas. C'est pour ça que Rabbeinu, il a brisé le corps. Alors attends. Dès le début. Ouais. D'abord, il dit comme ça Rabbeinu, la Neshama, elle, sa force d'attraction, elle est en où? En haut. À Shemit Barach, elle veut monter, elle veut se lever Khatzot. Et ça, c'est pour nous tous. Sachez, mes amis, que ce que je suis en train de vous dire, c'est équivaut pour tout le Ham Israël en globe. Même celui qui sait, qui ne sait pas, qui connaît, qui... pour tout le monde. D'accord? Là, il y a ce qui se passe. Tout notre Neshama, à nous tous, on veut s'attacher à Hachem, faire Igbo des doutes, aller au Mikvé, lire des Tehillim, parler avec Akadosh Baruch Hu, faire de la Tzedaka. On veut faire que du bien tout le temps. Tout le Ham Israël, même le plus rachat au monde. Et de l'autre côté, notre corps à nous, il a tout l'inverse. Notre corps à nous, il veut... que ressentir des sensations. Tout le temps avoir des sensations. Très haut, très basse, très au moyen, énervé. Il veut que des sensations. Des sensations. De toujours avoir une sensation. Alors apparemment, je me dis, c'est pas ce qu'il faut. Est-ce qu'ils ont...
Eh bien, en vérité, mes amis, ça, ça s'appelle la force de l'attraction et de la répulsion. C'est la double sensation. En vérité, Akadash Baruch Hu, il a créé ce izun, comment on appelle ça, cet équilibre. Parce que si on n'aurait que la Neshama, alors on serait tout de suite annulé à HM, on serait reparti complètement chez Akadash Baruch Hu, il n'y aurait plus de travail. Maintenant, s'il n'y aurait que notre corps à nous, on serait tombé dans les tavot les plus grands au monde, il n'y aurait plus aucune... Alors comment il faut faire pour essayer de maintenir un équilibre qui soit comme il faut? HM nous a mis le plus et le minus en même temps, et là, ça s'appelle le libre arbitre. Akadash Baruch Hu, il dit maintenant ce que je vous demande, c'est quoi? C'est fait en sorte, dans ce monde-ci, c'est la force des tavot. Vous ne combattez pas ce monde, mais essayez d'écouter votre Neshama. Attachez-vous à la force de l'attraction de la Neshama. Pourquoi? Il dit comment on fait ça? Comment? C'est simple. On a dit plus tu es humble, plus tu es attiré vers la force. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, d'après les lois de Newton, quand, par exemple, tu as pris un objet, tu l'as pris, tu l'as répulsé, comme ça on dit répulsé, tu l'as rejeté, qu'est-ce qui se passe? Il monte, jusqu'à où il monte? À la puissance que je l'ai envoyée. Dès qu'il arrive au sommet de ma puissance, il se met tout en haut, et là il fait quoi? Il retombe. Il dit Rabbi Nachman, mais quand il va retomber, là c'est pas pareil. Parce que plus il se rapproche de la terre, plus il descend plus vite. Pourquoi? Parce que plus il se rapproche de la terre, plus la force de l'attraction est plus forte. Donc il descend encore plus vite. Il dit Rabbeinu, si vous allez être un tout petit peu humble, plus vous allez vous attacher, plus vous allez vous rapprocher encore plus vite et encore plus vite. Parce que vous vous rapprochez au centre de l'attraction. C'est qui le centre de l'attraction? C'est le tzadik. Non, plus on va vouloir s'abolir, plus on va s'éloigner. Non! Parce que la répulsion, elle est proportionnelle. Oui, mais l'attraction, t'as pas compris. L'attraction, c'est qui? C'est le sadique. Ouais. C'est lui qui maintient la force de l'attraction spirituelle. Ouais, tu ne peux pas servir Hachem dans ce monde-ci si tu n'es pas proche du sadique. C'est que quand tu es proche du sadique que tu peux servir Hachem. Mmh. Donc, c'est quand tu peux servir Hachem, Ted? C'est quand tu es proche de lui. Tu es force attractée. Au moment où tu t'éloignes de lui, tu ne peux pas servir Hachem. Comment on s'éloigne du tzadik? La gava, on a dit. La gava. C'est quoi la gava? L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est la force de la répulsion contre le tzadik. Mais tu en reviens pas. Mais c'est attends. Maintenant, des fois, la gava, elle peut tenir, la force de la répulsion, elle peut tenir 70 ans aussi. Mais laissant, il dit Rabbi Nathan dans l'écouta à la chot. Vous voulez savoir pourquoi les gens ne se rapprochent pas du tzaddik? Une et seule raison, une seule. La gava. C'est qu'une histoire d'orgueil. Ça s'explique chacun autre pas, mais c'est toute une histoire d'orgueil. Pour pas que lui me voie que je suis parti à Ouman, pour pas qu'il voie que je mets une kippa blanche, pour pas qu'il voie que je commence à faire oi ou je tape des mains. Le méchant est ce qui se passe. C'est que une histoire d'orgueil. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Mais un homme, il peut se dire dans sa tête. Dans la gava. Je suis séfarade. Ouais, un truc comme ça, je suis séfarade, je garde mes origines. Alors comment ça s'appelle? C'est quelqu'un qui veut s'attacher tout le long de sa vie au chemin. Moi je pense que. Et du temps dans la gava. Non, non, pas une, je parle pas, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que si un homme il n'arrive pas à se rapprocher du tzadik, c'est que à cause de l'orgueil. Le reste, c'est des faux esprits. Voilà, le reste, c'est des choses qui sont autour. Il dit Rabbeinu, si tu verras, si tu creuses, tu verras que c'est une histoire d'orgueil. Il y a des gens qui ne veulent pas se rapetissir, se rabaisser, voyager, aller. Il dit Rabbi Nachman, comment des fois? Le plus, c'est comment? C'est avec du lashon hara sur le tzadik, quand on parle sur le tzadik. Ou alors quand on parle sur les gens du tzadik. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ah, lui, il était grand, mais ses élèves, regarde comment ils sont ses élèves. Il dit Rabbeinu, quand cet homme, il parle des paroles comme ça, c'est ça la force de la répulsion. Qui te répulse, qui te déconnecte de l'endroit là où tu dois être. Il dit Rabbeinu, des fois, une parole peut te faire changer la vie, toute une vie en entière. Et dans cette histoire, tu peux perdre complètement le nord. Alors maintenant que c'est comme ça que ça fonctionne, écoutez comment c'est puissant. Donc pour récapituler ce que je suis en train de vous dire, mes amis, pour récapituler, Akadosh Baruch Hu, il a fait faire descendre
Dans, alors, je reviens depuis. Je reviens, mes amis. Dans ce monde-ci, c'est très très dur de servir à Kadosh Baruch Hu. Comment on fait pour servir Hachem Yitbarach? Comment on fait pour servir Hachem? Salut. Salut Johnny. Salut Jésus. Alors mes amis. Ah ouais. Ah, c'est bien, Fazak. Voilà. Fazak, un vrai fort. C'est le sport, ça va bien. C'est la Torah. C'est la traction. La traction. Alors, dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde où ce monde, il vaut qu'avec le corps. Et comme il vaut qu'avec le corps, donc automatiquement, le corps, il a 100% de kiff dans ce monde-ci. Et la Neshama, comme ce n'est pas sa place, la Neshama, sa place, elle est en haut. Donc la Neshama, elle n'a aucune, force d'attraction dans ce monde-ci. Donc automatiquement, c'est très compliqué de servir Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Tov, il vient, Moshe Rabbeinu, il reçoit la Torah du Mont Sinaï, il nous donne les 613 mitzvot, Shabbat, etc., etc., etc. Et là, Moshe Rabbeinu, il a une question à Hachem. C'est quoi la question qu'il pose à Hachem? Hachem, mais c'est très dur de faire toute la Torah dans ce monde. C'est hyper dur. Tout ce que tu nous demandes là, c'est spécial. Comment ils vont faire le peuple juif? Et il avait raison, Moshe Rabbeinu, de poser cette question. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, ok, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me créer un Mishkan. Tu vas me faire un temple. Ce temple, il faudra que tu le fasses dans un endroit très spécial, avec des mesures très spéciales, des choses tout très spéciales. Je vais t'ordonner un livre en entier dans la Bible qui parlera que de ça, notre livre à nous, Vaïkra. Et cet endroit, ça sera une force d'attraction spirituelle. Et quand il y aura cette force d'attraction spirituelle, là on pourra servir Hachem. Comme ça il a dit Hachem, à Moshe. Donc Moshe Rabbeinu, on apprend quelque chose de nouveau, quoi. C'est que Bémet, en réalité, on ne peut pas servir Hachem dans ce monde. On ne peut pas. Il n'y a aucun contact avec notre Neshama et ce monde-ci. Aucun. Tout le contact qu'on a dans ce monde-ci, c'est avec notre corps. Donc on ne peut pas servir Hachem. Alors, comment on fait pour servir Hachem, puisque Hachem nous a demandé de faire la Torah? C'est là où Hachem, il dit, vous voulez savoir c'est quoi le Beth Amikdash, c'est quoi le Mishkan? Pourquoi je vous ai tant parlé du Beth Amikdash et du Mishkan? Un livre et demi en entier dans la Torah, pourquoi? Parce que dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, ça sera une force d'attraction spirituelle. Toute la divinité d'Hachem sera attirée au Mishkan. Comme ça, les gens y viennent. Quand ils viennent au Mishkan, au Beth Amikdash, tout de suite, ils sont abandonnés de spiritualité, abondé. De lumière, abondés de spiritualité, de lumière et de tout ce qu'il faut. Tant qu'il y avait le Beth Amikdash, le Mishkan, en Israël, il y avait dans le monde en entier, la force de l'attraction n'était plus en haut de spiritualité, mais en bas cette fois-ci. C'était une force qu'elle attirait toute la divinité d'Hachem. Bon, là, ça, cher Abénon, vous pouvez aller. Alors maintenant... Maintenant, il y a un problème. C'est quoi? Le Midrash, il nous raconte une histoire. Le Midrash, il nous dit, un jour, Irmiaou, le prophète Jérémie, il tourne, il marchait comme ça à Jérusalem, et il entend que les goyes, ils disaient quoi? Les goyes, ils disaient, le Dieu des Juifs a laissé tomber les Juifs. Quand il entendit ça, le prophète Jérémie, il a couru dans le Beth Amikdash, il a dit « Hachem, Hachem, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu que dehors on parle, que tu t'es divorcé du Ham Israël. Est-ce que c'est vrai? Comme ça tu nous fais, mais vaut mieux que tu nous tues. À quoi ça sert qu'on vit, que tu es loin de nous ?» À Kadosh Baruch Hu, il a dit à le prophète Jérémie « Jamais je me divorcerai de vous. Jamais je m'éloignerai de vous. Toujours on restera côte à côte. » Et même s'il se passe quelque chose, je vais prendre garant le Beth Amikdash, le Mishkan. Le Mishkan, ça sera le garant. C'est-à-dire, le jour où vous faites un problème,
Si je veux mettre ma colère, je la mettrai où ma colère? Dans le Mishkan, dans le Beth Amidash. Comme ça, vous toujours vous resterez proche de moi. Et on voit que quand on ne se conduit pas comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, malheureusement, deux fois on a énervé Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé contre nous. Et où il a mis sa colère, au lieu de la mettre contre nous, il a mis donc sur le Beth Amidash, le Mishkan, et il a détruit deux fois. Mais qu'est-ce qui se passe quand on détruit Beth Amikdash et le Mishkan, mes amis? On a péri aussi, nous. C'est que, hein? On a péri aussi. C'est-à-dire que c'est quoi péri? Il y a eu des morts. Ouais, mais il y a eu bien avant des comment on dit? Des avertissements. Il y a eu des avertissements, Le Beth Amikdash, on l'a perdu, mais nous aussi... 200 ans d'avertissement. Des prophètes qu'Hachem, il envoie et qui dit... Ce jour-là, il va être détruit. Ce jour-là, une date. Si vous ne faites pas teshuva, ça va être détruit. 200 ans. C'est exagéré quand même. Et deux fois. Donc, ce n'était pas Stam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on détruit le Beth Amikdash, le Mishkan, mes amis? Qu'est-ce qu'on a dit? Puisque le Mishkan, c'est la force de l'attraction de Dieu. Donc, maintenant que le Mishkan, il est détruit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'attraction de Dieu dans ce monde-ci. On peut servir Hachem ou on ne peut pas servir Hachem? On ne peut plus servir Hachem. Alors on fait quoi? Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour ça, il faut que je trouve une force d'attraction spirituelle obligatoire. On peut pas, sinon on ne peut pas servir Hachem. Il faut une force d'attraction obligatoire. C'est quoi? C'est quoi cette force d'attraction? C'est là où Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais trouver un tzadik d'une humilité comme il n'y a jamais eu une humilité pareille, qui se sent le plus bas des plus bas et qui connaît mamash combien il est petit. Et lui, il va devenir la force de l'attraction de la spiritualité. C'est de là où le tzaddik, à ce moment-là même, il est devenu la force de l'attraction d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que sans le tzaddik, tu ne peux pas le servir, Hachem, parce que c'est lui la force d'attraction. Et il dit, Rabbeinu, c'est pour cela que quand un homme, il vient chez le tzaddik, vivant ou après sa mort, là-bas, il dit, Rabbi Nathan, que le tzaddik, après sa mort, il est encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'on l'enterre dans la terre. Donc il est dans la terre, force d'attraction. Et lui-même, c'est une force d'attraction. C'est une force d'attraction exceptionnelle. Quand on arrive dans le kever du tzaddik, on sent que tout ce monde, il part complètement. On est aspiré par la spiritualité complètement. Il n'y a plus aucun goût au monde. Pourquoi? Parce que c'est fini. Le tzaddik, il t'enlève toute la force du répulsion. Il n'y a plus rien, tu es complètement attaché. Et c'est de là où Rabbi Nachman, il vient et il dit que le tzaddik authentique, c'est lui qui attire le monde. Alors là, il pose une question, Rabbi Nachman, si c'est ça, pourquoi il y a des centaines de milliers de juifs pas religieux? Pourquoi tout le monde n'est pas attiré? Voilà, pourquoi tout le monde n'est pas attiré à Hachem et vers le tzaddik? Comment ça fonctionne? Ben la réponse, elle est très simple. C'est la force de répulsion qui est l'orgueil. On a dit, c'est quoi la force de l'attraction? C'est quand on a la force de l'attraction? C'est quand on ressemble à la terre. La terre, c'est quoi? C'est l'humilité. Et c'est quoi quand je t'élève de la terre? C'est quoi? Si tu deviens un peu plus de la gava, tu as un peu plus de l'orgueil. Plus tu as de l'orgueil, plus cette force-là de la répulsion, elle est plus forte que la force de l'attraction. On doit s'annuler au tzaddik? Ouais. Et pas non, et pas quoi? Tout le yin-yang, c'est de s'annuler au tzaddik authentique, parce que nous-mêmes, on a nous-mêmes des choses dans notre tête qui font en sorte de nous croire qu'on connaît, qu'on a de l'orgueil, etc. Et à cause de ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Maintenant, sachez une chose, que tout ça, c'est juste momentané. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le moment où la force de la répulsion, elle s'arrête, on retombe vers la force de l'attraction. Ça veut dire le jour où un homme, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan dans l'Écoute à la Chote, il dit... Tout le travail d'un homme, le premier travail qu'un homme il doit faire tout le temps, c'est quoi? C'est de connaître sa petitesse. De savoir combien j'ai les mains qui sont liées à Hachem Yitbarach. Ce que Hachem il veut, c'est ça ce qui va se passer. Ce qu'il ne veut pas, c'est pas ça qui va se passer. Pas de croire que Kochi Veetsem Yadi, ma force, ma main, c'est moi qui arrive à faire changer les choses, c'est moi qui arrive. Il faut savoir annuler totalement sa personnalité envers Akadosh Baruch Hu et les Tzadikim. C'est le seul premier travail. Il n'y a pas de travail avant.
Mais des fois toi qui vois qu'en ayant intervenu dans sa vie comme ça, en ayant mis beaucoup de mains, on va dire ça, on va appeler comme ça pour imaginer. En ayant mis beaucoup ses mains, des fois il inverse les choses, ça reste comme la volonté d'Hachem. Donc c'est où la limite tout, de tout ça reste la volonté d'Hachem. La limite de l'homme dans tout ça. C'est la place qu'il a laissée. La limite de l'homme, tout se mesure à travers l'orgueil et l'humilité. Tout. Donc c'est le seul à avoir d'Hachem. Maintenant viens, on parle. Quelque part, nous tous. On s'est rapproché un petit peu d'Hachem, on est monté en Eretz Israël, on s'est rapproché un petit peu de Rabbeinu, Rabbi Nachman, on a appris, on a entendu des paroles, on a voyagé chez le tzaddik. Baruch Hachem, on a eu des belles choses. Mais la vraie vérité, le vrai chemin n'a jamais encore commencé, Max. Il n'a pas commencé. Toi, tu crois que c'était Akhtar, hein? Il commence même pas ici, ça veut dire. Bien sûr qu'il commence. Tout le travail, c'est que tu sers Hachem en bas. Mais c'est quand que ça commence? Tu sais, c'est quand? C'est le jour où tu es prêt à t'annuler. C'est le jour où tu es prêt à te rendre humble. Il faut faire quoi pour ça? Il faut casser et briser toute sa personnalité. Au moins dans ta tête. Au moins dans ta tête. Tout ce que tu aimes, il faut arrêter de l'aimer en vrai. Non, hein? Ou alors faut être modé que c'est pas ça. Que le ouais. Maître, c'est pas dans ces choses-là. Voilà, c'est tout. C'est... Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Oui, au moins, c'est notre. Un exemple. Rabbi Israël. Rabbi Israël, il a dit. L'annulation. Mais tu peux pas t'annuler. Non, attends. Il y a des niveaux dans l'annulation. Mais moi, c'est pour ça que j'ai dit d'abord l'annulation, c'est d'abord dans la tête déjà. Juste le fait de ne pas s'y croire, c'est déjà très très bien. Matériel. Voilà. C'est déjà ça. C'est rien du tout, ça. Le problème, nous, c'est quoi? C'est qu'on on croit qu'on sait tout, qu'on connaît tout. Un grand rave, il peut venir te dire quelque chose, et nous on peut lui dire moi je crois pas comme ça. Tu comprends? Des choses comme ça. Il y a des choses où tu veux pas accepter. Il y a des choses où tu. Mais frérot, mais t'es quoi? Mais qui t'es? Exactement. Qu'est-ce que t'es? Annule-toi devant les gens qui ont étudié, qui ont des tzadikim, etc. Nous on n'a pas ça malheureusement. On est rempli de. Mais comme en fait on a salué son père, qui est attaché à un tzadik, peu importe lequel qu'il soit, il a pas cette humilité. De pouvoir entendre quelque chose d'autre, de... Nahon. Donc c'est très compliqué. Au sein de. Dans notre mais nous tous, on a dit à Hachem Naase Venishma. Quand on a dit Naase Venishma, c'était avec une annulation totale. Donc on l'a dans l'ADN. Dans l'ADN, on l'a. Pas envers un être. Mais alors ça, il faut l'acquérir. Il faut comprendre qu'en réalité, nous, on n'a pas, on n'est pas tout ça. C'est loin. Ouais, on sait là. Alors maintenant, écoutez mes amis, comment ça fonctionne? Les gens qui sont attachés à d'autres tzadikim. Ouais. En vrai, ils sont attachés à d'autres tzadikim qui sont attachés par l'intermédiaire à Rabbeinu par la suite. Ouais. Si, ils sont attachés. Si le savent, parce que lui, c'est Shoresh Neshamot. Non, mais il peut être une branche. Et moi, tout seul, je peux être une branche directe. Donc, ouais. Alors, quelque part, le monde en entier. Quand... Non, mais le monde en entier, il est attaché à Rabbeinu, quoi qu'il se passe. Au tzadik. Ouais. Au tzadik qui est sur de l'âme. Au tzadik et sodom, le monde en entier, il est attaché à ce tzadik parce que c'est le tronc. C'est lui qui l'attire vers tout. C'est lui la force de l'attraction, de la spiritualité, de la shrina. La shrina, c'est la présence de Dieu. C'est pas Dieu, c'est la présence de Dieu qui cherche un endroit où habiter. Elle n'a pas nulle part où habiter. Alors où elle va habiter? Chez le tzadik. Le tzadik, c'est le seul qui a ouvert la porte et qui l'a laissé rentrer. C'est lui qui a la force de l'humilité. Il n'est pas forcément mis à cette humilité-là pour pouvoir être attaché à lui. Si tu t'as mis, tu l'as directement. Non. Parce que comme lui-même, c'est la force de l'attraction, pour que toi, tu sois attiré vers lui, il faut que tu sois humble. Sinon, il y a la force de la répulsion qui est la gava qui te détire du tzadik. Mais la force de répulsion, elle vient pas que de la gava. C'est... Dans le sens où le tzadik aussi peut avoir cette force de répulsion. Non, toutes les tavotes et tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, c'est la force de la répulsion. Mais la racine, c'est la gava. Oui, non, moi je parle du principe que le tzadik, lui, il te repousse. Non, mais là, je ne parle pas de ça du tout. Que tu reviennes plus. Non, mais là, je ne parle pas de ça du tout. Là, même Rabbeinu, il ne parle pas de ça dans cette Torah. Bien, ça, non. Oui, mais c'est pas. Si tu dis que de se rapprocher du tzadik, c'est d'une certaine manière, tu as dit tout à l'heure, il faut un peu jeter ça. Jeter ce qu'on sait, tu vois. Tu disais, il ne faut pas imaginer qu'on sait quelque chose. Ouais. Tu as dit ça. Alors, quand il y a eu Saba qui arrivait, et que lui, il a montré qu'en réalité, c'était un très, très, très grand sadique, et qu'il avait en plus reçu le pétec de la main de Rabbeinu, il lui a dit, mon cher élève, etc., et que lui-même, c'était un type des plus pachoutes. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent, c'était un homme très, très pachoute. Roman, il était toujours pachoute dans une chitoute comme ça. Et que lui, quand on lui parlait de Torah, très souvent, il s'éclatait de rire. Non, mais c'est ce que je vous dise, moi.
Et alors finalement, alors grâce à ça, c'est pas un moyen finalement de rentrer dans une certaine, comme je dirais bien, on rentre dans le Géoula, et que finalement, bon, ben, c'est la facilité dont on ne comprend rien. Ben, mais c'est une vraie Alors. Le problème, c'est que Rabbi Israël, c'était... D'abord, tout ce que tu as dit, tu as raison. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Rabbi Israël, il a dit « Ani, na, nar, nahman, nahman, mouman ». C'est l'explication la plus simple. C'est comment Rabbi Israël a dit Ani na nar nahman nahman nahman. C'est pas lui Rabbi Nachman. Lui c'est Israël Père au dessert. Comment il dit Ani na nar. C'est qu'il est arrivé à s'annuler d'une annulation tellement grande au tzaddik qu'il a annulé tout ce qu'il avait de lui, que lui-même il est devenu le reflet du tzaddik. C'est ça le... Et en vérité, quand Rabbi Israël a dit ça, il nous a dit que en fait notre travail c'est quoi? C'est que chacun il puisse dire Ani na nar nahman nahman. C'est l'histoire du miroir là, de ouais. Nahon. Ça c'est le summum. Quand, si un homme il arrive à la fin à dire ça, il atteint ce que Rabbeinu il voulait bien mettre. Alors maintenant, pour quand même te dire quelque chose. Nous, parce que nous malheureusement on est des imbéciles, et Rabbi Israël c'était le number one à comment s'annuler et se cacher. Alors nous on croit que Rabbi Israël il n'était pas très dans... Mais en vérité, Rabbi Israël, c'était un gaon qui était énorme. Et ça, ceux qui étaient un peu proches, un tout petit peu, ils le voyaient directement. Comment Rabbi Israël jouait avec les mots, avec les torotes, ils voyaient les trucs. C'était tout un jeu que Rabbi Israël faisait. Avec certaines personnes, il faisait comme ça. Donc en vérité, Rabbi Israël, c'était un vrai tzaddik qui a étudié, qui a prié, qui a... Mais lui, il n'avait qu'un seul but. C'est qu'il a compris que pour servir Hachem, il faut être le plus proche du tzaddik, parce que c'est lui qui attire, c'est lui que lui il attire la spiritualité, la divinité d'Hachem. Quand on s'éloigne du tzaddik, on se rapproche de ce monde, et dans ce monde-ci, on ne peut pas servir Hachem. Donc en vérité, le Rav de Tchérim il dit, quand tu montes dans le ciel, il y aura une seule question qu'on va te poser. Pourquoi tu t'es pas rapproché du tzaddik? Ouais. Parce que Hachem, il ne pourra pas dire pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. C'est normal que tu fais ça quand t'es pas proche du tzaddik. Mais toi, tu connais Rabbeinu. Ouais. Mais toi, tu connais Rabbeinu. Toi, que tu sais. Toi, que tu connais les conseils. Toi, t'as fauté. Pourquoi t'as pas prié de te rapprocher du tzaddik? Ce sera que ça la question qu'on va te poser. Mais c'est pas tu dis comment tu connais, t'es proche de lui. Non, c'est... t'es pas proche du tout. Pourquoi Parce que... Tu connais pas. Rabbi Nathan, dans le Likutei Tfilot. Notre travail toute la vie, c'est de découvrir le tzaddik, parce que chaque découverte du tzaddik, tu découvres Hachem et tu sais le servir encore mieux et encore mieux. Tu peux, tu t'es approché, t'as lu ses conseils. Et t'as pas réussi. Ça n'existe pas. Et t'as pas fait. C'est que t'as pas fait. C'est exactement. Si tu arrives pas, c'est parce qu'on a de l'orgueil. Encore une fois, l'orgueil, il te. Un homme, il peut être proche de Rabbeinu, mais avec de l'orgueil, il est complètement loin de Rabbeinu. Alors voilà, alors, c'est quoi d'être proche de Rabbeinu? C'est de regarder les conseils et d'appliquer tout simplement Bepshitout comme c'est écrit. Bepshitout, mais c'est très... Mais même c'est ça, compliqué. Alors, d'après ton niveau à toi, ouais. Pas à son niveau aux autres, ton niveau à toi. Ce que toi, t'es habitué, tu fais un effort un peu plus de ce que t'es habitué. Ça s'arrête là. Et demain, tu fais un peu plus. Quand t'es dans tes... T'es attiré par le monde. Ouais. Parce que même dans ça, choses de la vie. Mais même dans ça, dans ce c'est très... On va, même si on essaye de se rapprocher un peu, d'apprendre ces conseils qui vont pas spécialement nous parler ou pas, on essaye de le faire. Et on sera tout... On va retomber. Johan, t'as un conseil qui fait en sorte que tu peux réussir tous les conseils. C'est la tefila, c'est Louis de Bonnet. Oui, parce qu'en réalité, quand tu pries Hachem et tu lui dis, voilà, je sais que c'est ça. C'est sûr, ça. Voilà. Je t'es sais que c'est ça que je dois faire, mais j'y arrive pas, je peux pas, je veux pas. J'aime pas. J'aime pas. On va te donner, j'aime pas, j'aime supporte pas. J'aime toutes les folies de ce monde. Là, on va te donner de goûter la différence qu'il y a entre l'amour pour les passions de ce monde et l'amour pour les enseignements de la Torah. On va te donner à goûter. Et après, tu vas devoir un petit peu te casser la tête. Alors, ça, c'est des petits VIP. Mais il faut parler et mettre devant la chaîne. Lui dire, ouais, je sais que c'est ça, le émettre. Et voilà, j'y arrive pas, je veux pas, je peux pas, ça me saoule, j'aime bien le foot, hein, j'aime bien les trucs, la folie, l'air. Là, on réussit tous les conseils, il n'y a pas. Sinon, c'est impossible pour nous. Impossible, on ne peut pas faire tout ça. Et maintenant, mes amis, là, on peut comprendre un tout petit peu. Alors, déjà, j'ai envie qu'on essaye de concrétiser ça dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est le plus important, c'est que comme ça qu'on pourra bien mettre comprendre les choses.
Parce que mes amis, il y a un moment où on découvre le tzaddik, on découvre les torahs du tzaddik. On fait tout ce qu'il faut, tadarba. On fait tout ce qu'il faut pour... Mais en vérité, mes amis, on arrive à un moment où ça se bloque. Il y a un moment où ça avance plus. Tu as fait ton avance, tu as fait tes chouvas, tu as fait pousser la barbe, les paillards, et il y a un moment, ça y est, ça tourne en boucle. Est-ce que vous voyez de quoi je parle, mes amis? Et nous, on se dit, mais attends, depuis avant jusqu'à maintenant, j'ai fait des kilomètres. Et là, je suis fatigué. Pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça avance pas? Ça, c'est à tout le monde. Ça, c'est là où ça commence en vérité. Et jusqu'à maintenant, il y a eu une force de répulsion que le tzaddik t'a attiré très fort. Tu es venu. Mais après, tous tes tavots, ils reviennent, donc ils te repulsent. Mais le problème, c'est que tu as connu le tzaddik à Emet. Tu sais c'est quoi cette lumière. Donc toi, tu as soif de cette lumière-là. Alors maintenant, comment on fait? Comment ça se passe? Alors c'est pour ça, Rabbi Nachman, il dit comme ça. Le tzaddik, il fait plus que ça. C'est ce qu'il fait le tzaddik. Il construit, il attire les gens vers lui. Ceux qui sont méritants de le connaître et d'étudier ses livres et de s'attacher à lui vraiment, ça veut dire de le connaître un peu plus. Le tzaddik, il dit, comme celui-là, je l'ai dans mes mains, il est à moi. Alors, je vais construire le Beth Amigdash en lui. Pour que lui-même soit une, comment on appelle ça, une force d'attraction complète, comme le Beth Amigdash, le Mishkan, d'attirer ce qu'il y avait dans le Beth Amigdash, grand Jérusalem, etc. C'est énorme, c'est une fois. Rabbeinu, il dit, je vais faire plus que ça. Je vais créer des Beth Amigdash en chacun de celui qui se rapproche de moi. Pour que lui-même, il soit une ressource. Comment on appelle ça, les Tahanat Kouar, les grands trucs nucléaires, là, les grands, où il y a une kamout, une truc centrale, un truc, un malade mental, un truc. Et que chacun, il puisse donner de l'énergie à l'éternité, à tout autour de chacun, que lui-même, il devient un Beth Amigdash. Pourquoi? Il dit, Rabbeinu, parce que tellement ce monde, il a des tavot. Alors, vous allez venir chez moi, repartir, venir. Et va savoir, tu vas repartir, tu sais où tu vas aller, dans quel endroit tu vas aller. Rabbeinu, il dit, moi, je vais te prendre, je vais te faire au fer chaud. C'est le... Comme on met le... Comme on brûle, là, le tampon, les vaches, quand on les tamponne au fer chaud. D'accord? Rabbeinu, il dit, moi, je vais te faire le fer chaud. Je vais te créer un Beth Amigdash dans ton cœur, dans ton cerveau, toi-même, que tu, là où tu iras, combien tu t'éloigneras, sache une chose, toi, tu ne pourras pas le ressentir parce que tu as de la gava. Mais sache une chose, dès que tu es venu chez moi, je t'ai donné le Mishkan, que toi-même, tu es devenu un aimant énorme qui attire toute la lumière d'Hashem Yitbara. Et chacun qui vient, chacun, je construis en lui le Beth Amigdash. Pour que nous-mêmes, on devient le Beth Amigdash. Et plus un homme. Pourquoi David? Lui qui s'ouvre. Azma? Ah, c'est pas David? Ah, ok. Quoi, il veut pas qu'on crie? Avec gauche, il commence à s'écrire. Vous comprenez, mes amis, combien la puissance, combien, c'est ça que le tzaddik il fait avec nous. Et ça, on le voit dans notre paracha de la semaine. Quand j'en avais les 4h du matin, ils sont fous. Quand tu parlais de Rabbeinu, c'est l'excitation. Exact, ça c'est la force de la répulsion. Ah, oui. Il y a l'attraction et il y a la répulsion. C'est ça que mon grand quand tu vas. Maintenant écoutez mes amis, écoutez. Comment? Alors maintenant on comprend ce qui s'est passé dans le Beth Amigdash. Là il s'est passé quoi? Là il s'est passé que Moshe Rabbeinu, il a construit le Beth Amigdash, on a dit le 11 Tishri. Nahon 25 qui se lève, 3 mois plus tard, il était fermé, terminé le Beth Amigdash. Et là, Hachem, il dit rien. Et le Beth Amigdash, il est là, mais il ne se passe rien. Et là, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas monté. Et ouais, mais tout est prêt. Ça veut dire pourquoi il ne se passe rien? Il dit, Rabbi Nathan, tu sais pourquoi ça s'est passé ça? Pour que le monde comprenne que sans le Beth Amigdash, sans le tzaddik, on ne peut pas servir Hachem. Voilà, même le Beth Amigdash, il est là, et il n'y a rien qui se passe. Mais le tzaddik, à ce moment-là, c'est Moshe. Oui, mais le tzaddik, lui-même, il n'a pas encore reçu. Ouais. De ordonnement à Hachem. Donc le Ham Israël, lui, il se dit quoi, le Ham Israël? Il dit, il y a un Beth Amigdash et on ne peut pas le servir. Pourquoi on ne peut pas le servir? Parce que le moment où Moshe il décidera, c'est là où on pourra le servir. Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, on peut servir Hachem sans le tzaddik. Non, la preuve, c'est que le Beth Amigdash, il était là.
Tant que Moshe Rabbeinu n'était pas rentré à Beth Amikdash, le Beth Amikdash ne fonctionnait pas. Même Mishkan, que c'était Aaron. Pareil, c'est pareil. Beth Amikdash, Mishkan. Parce que c'est. Moshe voulait pas. Hein? Non, c'était que Hachem ne l'avait pas encore ordonné. Mais normalement, Aaron, il pouvait rentrer et faire le travail, tu comprends? Maintenant, Kadosh Baruch Hu lui dit non, on va attendre. Et là, ils ont attendu pendant 4 mois, Aleph Nissan, 7 jours avant, Moshe Rabbeinu y rentre, et c'est lui qui travaille pendant une semaine. Et le 8e jour, Vayi Bayom Hashmini, Hachem, il lui dit maintenant, donne les clés à Aaron à Cohen. On a dit comment? Ouais, comment? Bah, c'est la porte de comment? Moshe Rabbeinu, c'est lui, le Cohen Gadol, pourquoi on donne à Aaron? Ok, Aaron, tout bien comme il faut, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est là où Rabbeinu il dévoile. Comme Moshe Rabbeinu, il y a écrit sur lui quoi? Aïch Moshe Anav Mikol Adam, l'homme le plus humble de tous les humbles. Donc c'était qui la force de l'attraction? C'était Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, toi, va créer la force de l'attraction dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Et dès que tu l'as attiré, donne les clés à Aaron. Parce que le tuyau, il est déjà ouvert. C'est toi qui l'as ouvert le tuyau. Après, c'est pas important qui. Mais ça, mes amis, c'est quoi le Inyan? Qu'est-ce que ça nous apprend? Que même si on a le Mishkan, tant qu'on n'a pas le Tzadik, ça ne fonctionne pas. Mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que nous tous, on attend aujourd'hui le Beth Amikdash. Ça se peut que le Beth Amikdash, il descend, il se passe rien. Il se passe rien. On attend le Tzadik à Emet qui doit venir et qui doit déboucher le tuyau d'en haut de la spiritualité, la force de l'attraction, l'aspirateur d'Hachem. Et ça, c'est le Tzadik. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Rabbeinu a dit non, on va pas attendre la Géoula. On n'a pas le temps parce qu'on doit faire teshuva avant. Alors on va faire quoi? Moi-même, je vais créer un Beth Amikdash en chacun de vous. Comment vous allez être. Hachem, il a créé un monde qui dure 6000 ans et qu'à la fin, on n'est pas sûr que le monde entier fasse teshuva. Bien sûr qu'on est sûr. Parce que Rabbi Israël, il a dit, Rabbeinu est descendu dans le monde parce qu'il n'y a que lui qui peut ramener le monde en entier à Hachem Yitbarach. C'est lui la force de l'attraction, Ted. C'est une règle. C'est lui qui décide alors. Non, c'est nous, notre Gava. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Notre travail à nous, c'est quoi? C'est d'étudier les conseils de Rabbi Nachman. Comment on saura qu'il faut étudier les conseils de Rabbi Nachman? Ça dépend de nous, ceux qui ont déjà goûté. Je te parle de général. Non, mais général, Ted, je suis en train de te faire montrer tout de suite maintenant que le général, il dépend de toi. Parce que les gens, ils connaissent pas Rabbeinu, si toi, tu connais pas. Continue d'entendre le Beth Amikdash qui pense que j'ai nous dire. A fait rentrer. Alors maintenant, le tzaddik, il fait quoi? Comme il sait, le tzaddik, qu'on peut tomber et s'éloigner très très loin, alors il construit un Mishkan où? Dans ton cœur, dans ton cerveau. Il dit, Rabbi Nachman, dans le mot Mishkan, il y a le mot Nimshach, Mosher, c'est-à-dire attirer. Il dit, Rabbeinu, dans le mot Mishkan, il y a aussi le mot Mashkon. C'est quoi Mashkon? Mashkon. Mashkon, c'est une. Comment ça s'appelle? Quand quelqu'un il te prête de l'argent et tu dois donner une. C'est ça. Pas un intérêt. C'est Mashkon. Oui. Une garantie. Une garantie. Quelque chose. Une caution. D'accord? Alors, dans le mot Mishkan, il y a le mot Mashkon. Ça veut dire quoi, le mot Mashkon? C'est que si Akadash Baruch Hu, Chas V'Shalom, il s'énerve contre nous très grave et qu'il veut, Chas V'Shalom, nous... Alors, il a promis que jamais il mettra sa colère sur nous. Il mettra où sa colère? Sur le Beth Amikdash. Mais comme maintenant, le Tzadik, il a créé en nous le Mishkan. Donc, Chas V'Shalom, si on fait des choses très graves... Yehush. Par exemple, Yehush, ou alors la Hatzvut. C'est quoi la Tzvut, la tristesse? Ou surtout, ce qu'on a parlé, c'est l'orgueil. C'est quoi qu'Hachem y casse en nous, Chas V'Shalom? C'est le Mishkan qu'on a en nous. Et là, pour cela, il faut faire quoi? Pour cela, il faut voyager chez le Tzadik, que lui-même, il nous a construit le Mishkan. C'est que le Tzadik lui-même qui peut construire le Beth Amikdash. Comme on a vu, que le Beth Amikdash, il était tout prêt, personne n'arrivait à remonter les murs. Personne! Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? C'était le seul qui avait la possibilité de pouvoir ramener les murs et les toucher. De là, le Zohar HaKadosh nous apprend que c'est qui fait la termination du Beth Amikdash. D'accord. La termination, terminer le Beth Amikdash. La termination, c'est qui? C'est que le Tzadik qui a la possibilité. C'est quoi qui remplace le Mishkan, mes amis? C'est la Tfila. C'est qui fait monter la Tfila? C'est le Tzadik à Emet. Donc, en fait, ce qui nous reste à nous, quand Chas V'Shalom, un homme, il tombe, et qui s'éloigne de toute l'état à vote,
Il lui reste dans l'état avoc. Dans l'état avoc. C'est quoi qu'il nous reste? Une seule chose. C'est que la tfila. La tfila, c'est la seule chose qui pourra nous ramener, nous attacher, nous ramener à côté du Tzadik HaEmet et d'Hachem Yitbarach. Et grâce à ça, on pourra servir à Kadosh Baruch Hu d'une facilité. Maintenant, regardez par exemple. Un jour, on a donné à Rabbi Nathan une montre. Je lui ai donné une montre. Et c'était les montres d'à l'époque qu'il fallait les monter. Maintenant, comment ça fonctionne ces montres-là, mes amis? Il y a un ressort, où ce ressort-là, il est fait d'une manière très spécifique, où il y a des roues avec des dents, et toi, tu dois tous les jours rapetissir le ressort. Pourquoi? Parce que lui, le ressort, il veut quoi? Il veut que repousser. Mais on le met à l'attraction, et lui, il veut repousser à la répulsion. Mais le fait qu'on arrive à le maintenir à une certaine mesure, qu'il est repulsé un tout petit peu, c'est ça qui fait en sorte de pousser toutes les roues et qui fait en sorte de créer une montre. Et c'est comme ça que tout marche, les voitures, toutes les machines. C'est quoi toutes les machines, etc. Ce sont des roues, des petites roues qui poussent, des grandes roues. Et plus les roues ils sont grandes, plus ça fait tourner le moteur. Mais de base, ça fonctionne par quoi? Par un ressort, que le ressort, lui, il veut tirer. Mais quand on l'attire vers lui-même, et qu'on le laisse, et petit à petit, grâce à ça, ça crée une force qui est exceptionnelle. Il dit, Rabbi Nathan, quand on lui a donné ce cadeau, on lui a donné cette montre, il est parti en courant, il a écrit toute une halakha dans l'écoute halakha, il retient tov halakha. Et tout ce que je vous ai parlé ce soir, c'était quand on lui a donné une montre en cadeau à Rabbi Nathan. Lui, dans sa tête, ça a fusionné dans sa tête, et il a compris en fait tout le inyan. C'est quoi la force de l'attraction et de la répulsion, que quand on arrive à les mener en main, bien comme il faut les deux? Parce que d'un côté, on ne peut pas dire que ce monde, on doit le jeter. La mesure du temps. D'un côté, on ne peut pas dire qu'il faut jeter ce monde. Et d'un autre côté, on ne peut pas dire qu'on doit complètement ne rien faire dans la Torah. Alors, il faut essayer de trouver. Alors, comment essayer de faire les deux en même temps? Mais c'est son équilibre, c'est un équilibre personnel. Oui, parce que chacun, oui, personnel, mais c'est Hachem qui se le fait. C'est toi, ça. Tu dois juste... un exemple. Et c'est un exemple que Rabbeinu il donne. Rabbeinu il donne cet exemple. Un homme, il a une envie très forte d'aller chez le tzaddik. Alors toi, tu fais quoi? Tout de suite, t'appelles, tu prends un truc, tu fais ta truc et tu pars tout de suite. Ouais. Maintenant, t'arrives chez le tzaddik, qu'est-ce qui se passe normalement? T'arrives chez le tzaddik, ton cœur, il s'ouvre, puisque c'est la force de l'attraction. Et là, tu veux plus rien de ce monde-ci. À ce moment-là même, tu bouges plus, tu deviens un malarque. Mais c'est pas ça ce que Hachem, il veut. Parce que Hachem, il t'a mis dans ce monde-ci. Quoi? En fait, c'est ce que tu dis. Quand toi, t'arrives là-bas, tu te sens comme un malarque. Oui, mais moi je te parle, si tu enlèves ta gava. On enlève la gava. Quand tu vas, c'est que tu as un besoin de te rapprocher de lui. Oui. Tu as besoin de prendre de l'énergie. Oui. Oui, mais toi ce que tu sais pas. Pour pouvoir vivre dans ce monde-ci. Oui, mais toi ce que tu sais pas, parce que toi tu laisses parler ton corps. Mais ta neshama, ce que toi tu sais pas, c'est que ta neshama, elle te dit laisse tomber tout. Moi. Je sais que je l'entends, la neshama, mais tu peux pas. Alors voilà, alors c'est là où Rabbeinu il vient. Et il dit, c'est pour cela que je vais t'envoyer des forces de répulsion. Comment? Tu ne pourras pas voyager directement chez le tzaddik. Parce que tu as un rendez-vous après-demain. Et là, tu n'as pas assez d'argent. Ou alors, ils ont fermé le truc. Il va te faire en sorte que tu as envie de faire quelque chose, mais on ne te laisse pas. Attraction, répulsion. Donc c'est pas attends! Donc, ce n'est pas des forces négatives. Non, pas jamais. C'est juste deux forces. C'est pas négatif ou positif, c'est deux forces. Des fois, il y a une répulsion. Ça va, exactement. Oui. On n'a pas le limité, mais là, c'est lui qui te repousse. Attends, ça, je parle pas de ça. Non, mais là, arrêtez de remettre ce point, parce que c'est pas ce point du tout. Voilà. Non, alors c'est pas que ça dit qu'il te repousse. C'est pas ça que j'ai. Dans ma tête, ça, c'est quelque chose, ça HM. C'est une loi, c'est une force. C'est une loi dans la spiritualité qu'il y a, que, en fait, il y a cette force qui t'attire et qui te repousse. D'accord? Par exemple, je vais donner un autre exemple. Hein, ça peut être les manques, ça peut être les des fois chas v'shalom. Tu veux te lever chatzot et on ne te laisse pas lever chatzot. Pourquoi? Parce que si on te lève lever chatzot dès ce soir, tu vas te lever deux semaines après, tu vas dire ça m'ennuie. Alors Hachem, il ne va pas te laisser lever pendant un an. Et toi, pendant un an, tu vas vouloir. Et le jour où tu vas dire allez, laisse tomber, ce soir même, tu vas te lever chatzot. C'est deux forces d'attraction. Maintenant, il dit Rabbeinu. Tout, c'est comment tu gères ces forces-là. Si tu dis, allez, laisse tomber, j'ai pas la force de combattre, alors tu perds tout. Il dit, Rabbeinu, mais si tu sais être comme le ressort de la montre, qui sait exactement, il sait l'itapek. Comment dit l'itapek?
Il sait se retenir. Il a envie de faire des ta'avot. Regarde. Un homme qui se laisse complètement dans les ta'avot du Brit. Complètement. Sans aucune limite. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il utilise une bonté, un kiff d'Hachem qui ne lui appartient pas pour maintenant. Parce que ce kiff, il aura quand il va se marier, quand tout va bien se passer. Alors, c'est juste un problème de temps qu'il n'arrive pas à se retenir. Alors, quand un homme, il fait ça, il va faire quoi? Il va créer quoi? Il est marié, il y a un... Oui, moi, je parle d'un exemple. Non, mais... C'est pareil. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il va utiliser ce plaisir qui est interdit, qui va avoir une répulsion sur le futur après. Parce que cette chose, tu l'as pris, elle est à toi, elle t'appartient, c'est terminé. Tu l'as utilisé. Et qu'est-ce qui va se passer? Un homme, quand il goûte quelque chose trop, après il veut une dose plus grande. Et après, ce qu'on t'a donné, ce qui t'appartient, ça te rassasie plus. Et là, ça commence le vrai problème. Tout ça à cause de quoi? T'avais pas la force de te retenir, la force de l'attraction, de la répulsion. Il dira, ben, au moment où un homme il arrive à se tenir, à se garder, c'est un petit peu dur. Mais en fait, toi, t'es bénéfice dans tous les cas. Comme par exemple quand la femme elle est nida, quand elle n'est pas nida. C'est quoi quand la femme est nida et pas nida? C'est pareil, la force de l'attraction, la force de la répulsion. D'abord elle s'éloigne pour créer un désir et après il y a la femme. Et ça, et quand plus un homme il rote nida, etc., plus il arrive à consacrer l'amour dans son foyer. Maintenant quand un homme il ne fait pas ça comme il faut, alors il regarde à droite, à gauche, il se laisse répulser par ce monde-ci. Ouais. Ce monde il le répulse par tout ce qui se passe. Alors, la force de l'attraction normale chez lui à la maison, parce que nous, c'est quoi notre force d'attraction, entre guillemets? C'est un peu chez nous à la maison. C'est un peu ma femme et mes enfants. C'est toujours là-bas où je reviens un petit peu. C'est toujours un petit niveau. La vraie force d'attraction, c'est chez les tzadikim, dans les kibbutz tzadikim, au côté de la maravie, dans les endroits où il y a des grandes choses. Mais c'est ça en vérité, c'est que toutes les répulsions, elles t'éloignent de ta racine. Et les répulsions, c'est ce monde-ci. Et c'est ça notre problème. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il a écrit Yom HaShemini. C'est quoi le Yom HaShemini, le huitième jour? C'est quoi le huit? Le huit, c'est au-dessus de la nature. Le huitième, vous savez mes amis, il y a sept jours dans la semaine, il y a sept continents, il y a sept océans. Le monde, il est fait par sept. Toujours sept. Le huit, c'est au-dessus de la nature. Le huit, c'est le tzaddik qui est au-dessus de la nature. Il y a la nature normale, c'est les tzaddikim normales, c'est comment on peut servir Hachem dans ce monde-ci normal. Mais quand il y a des forces très grandes, qui te répulse de la Kdoucha, ouais. Des forces qui te rend fou dans ta tête, t'as un truc qui rentre dans ta tête, tu te dis, mais c'est quoi ce truc qui me rend fou? Tu sais pas quoi faire, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas. Là, tu sais que c'est une force de répulsion énorme qui veut te détacher de ta force de traction. Il faut savoir une chose qui est très simple, c'est quoi? Apparemment, c'est l'orgueil. Parce que la racine de tout, c'est que de l'orgueil. Et en fait, le premier travail que je dois faire, c'est enlever mon orgueil. L'orgueil, c'est la racine de tout le bien qu'on peut, chas v'shalom, perdre. Tout ce qu'on peut perdre, on le perd que par l'orgueil. Et pour se rapprocher du tzaddik, il faut être prêt à jeter de notre tête beaucoup, beaucoup de choses qu'on a été habitué dans notre vie. Et chacun qui se rapproche du tzaddik, il ressent cette sensation que, ben, maître, il doit, mamash, l'évater, comment on dit l'évater de hein? C'est pire que laisser. Il doit. Hein? Lâcher. Non, l'évater, c'est. C'est beaucoup aussi. On voit beaucoup un homme qui enlève son orgueil. Il est beaucoup plus dans la tefila que. Parce qu'en réalité, la tefila, ça. C'est quoi la tefila, Adov? Tu demandes. Ouais. Pour demander, il ne faut pas que tu aies de l'orgueil. Exactement. C'est tout simple. Plus t'as de l'orgueil, plus c'est compliqué pour toi de demander. Tu demandes pas quand t'as de l'orgueil. Nahum, tu demandes pas, t'as honte. Attends, la tfila, tu parles de l'itbodedou ou de la tfila? Parce que malheureusement aujourd'hui, la tfila, on l'a fait machinalement. Hein. Ouais, mais ça peut être, c'est tout. Maintenant, c'est quand tu au moins l'itbodedou. Non, mais au moins l'itbodedou, on l'a fait pas. Attends, Nathan, un gars Aftan, maintenant, c'est sûr qu'il est pas proche de sa vie maintenant. Ouais. Pourtant, on voit, il est peut-être le mec, il se dit sur lui-même qu'il est gars Aftan, il est très proche peut-être.
Oui. Il vient tout en bas. Oui. Mais celui qui est gaftan, quand même. Moi, je te parle dans la racine. On s'en fout s'il dit pas. Moi, je te parle dans la racine. Comment tu te vois, comment t'es. On a tous de la gava. Oui, mais il y a des niveaux de gava. Il y a aussi des niveaux. Il y a des niveaux qui sont un peu normaux. Il y a un peu trop, un peu grand, un peu. Moi, je te parle de la gava qui fait en sorte que t'es pas prêt de baisser ton honneur pour te rapprocher d'Hachem. C'est surtout ça. En tout cas, le fait que tu saches que le problème c'est de la gava, tu sais où mettre le point, mon frère. Parce que l'essentiel de tout, c'est que cette gava qui te rend complètement dingue. Il y a des choses que tu pourras pas faire. D'accord, tu amènes un homme qui est super bien avec ce truc, tu l'amènes au mikvé un peu sale. Il va dire non, je me trempe pas. Je me trempe pas, je me mets pas tout nu devant tout le monde. Il va dire des choses, comme on a dit tout à l'heure, mes origines. Les gens qui disent moi je suis d'origine tunisienne, marocaine, je suis pas Breslev. Ça veut dire quoi ça? Pour moi c'est du chinois ça. Ça c'est du chinois. Oui, où il est le lien entre tes origines et où il est, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Et maintenant c'est quoi ça? C'est des gens qui sont pas prêts. Il y a des choses que tu n'es pas prêt à jeter. Maintenant, il y a des gava que c'est très dur à l'enlever. C'est très très dur. Tout ce que je ne veux pas recevoir du tzadik, c'est parce que c'est moi qui j'ai de la gava. Quand le tzadik il me dit quelque chose, et moi, ça ne fonctionne pas chez moi, c'est parce que j'ai de la gava, ça, je ne veux pas le recevoir. Mais comme tu as dit, on peut s'éloigner parce qu'on ne s'est pas rassasié de la faute, du truc, on est là. Tu peux être très loin et que tu n'arrives plus à rebondir. C'est plus parce que tu veux plus. C'est si la force de la question est trop forte après. Mais il dira, ben non, il y a toujours un moment où la force de la répulsion, elle s'arrête. Il y a toujours un moment. Parce qu'en en fin de compte, tout ce qui sort du globe de la Terre, il y a un moment où ça s'arrête et ça revient. Mais t'as dit, ça peut durer 70 ans. Oui, ça peut durer même des guilgoulim et des guilgoulim. Eh oui, ben oui. On a dit, c'était quoi le problème des 80% des Bnei Israël qui ne sont pas sortis d'Égypte? C'était quoi? Moshe Rabbeinu, il est venu, il a dit ça y est, on sort. 80% ils sont venus, ils ont dit on sort d'où? On est très bien là où on est. Alors ok, c'est un petit peu difficile, mais on a de la parnassa, on a des pyramides, on est nourri, logé. L'Égypte à l'époque c'était super bien. C'était tout le monde, c'était l'Égypte. Oh non, on est très bien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est de la gava. Parce que qu'est-ce qu'il propose, Moshe? Non, mais qu'est-ce qu'il propose, Moshe? C'est pas qu'il propose aux oasis. Il nous propose de Midbar, un désert. Bah, il y a une promesse des reines d'Israël. D'accord. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est comme l'Ukraine d'aujourd'hui. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Tu sais. En fait, j'ai un mec de Mais c'est une raison. Rabbi Nathan, il écrit dans l'écoute à la Chod. Rabbi Nathan, il dit juste un ami voyage, c'est déjà une très grande humilité. Très très grande humilité. Rien qui fait le trajet. Laisse tomber ce qui se passe là. Rien que le trajet de dire oui, je viens à Ouman, ou alors c'est une très grande humilité. Il dira Rabbi Nachman, comme nous on est aujourd'hui les 80% qui étaient en Égypte, qui sont restés en Égypte, qui ne sont pas sortis d'Égypte. Donc le travail essentiel qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est de travailler notre orgueil. Regardez maintenant dans ce monde, regardez bien maintenant, regardez bien attentivement. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est toute une histoire de gava. L'argent que tu gagnes ou pas. Normalement, c'est fait pour quoi l'argent? Pour manger, pour se vêtir, pour habiter. On a pris l'argent qui est un milieu pour vivre et on l'a mis à une autre case. Une case de quoi? Non, mais pire que ça. Ça devient de la gava. Ça veut dire, quand tu as 100 millions, tu es obligé de regarder les gens de plus haut. Maintenant, quand tu as 10 shekels dans ta poche, tu es obligé de te sentir minable. Mais pourquoi? Mais Rabbeinu, il nous a dévoilé ce Inyan qu'aujourd'hui, ça s'appelle la gava. Un homme qui est un docteur, d'accord? C'est un archi, un truc, etc. Chirurgien, etc. D'accord? Cet homme-là, c'est fait pour quoi, un docteur? Pour guérir des maladies, pour... Un homme qui devient un docteur, bien comme il faut, quoi qu'il se passe, il a de la gava. Maquéchar la gava, c'est un docteur, c'est pour réparer tes mains. Marche la tête haute dans l'hôpital, il ne faut pas marcher la tête basse. Exactement. Il dit Rabbeinu, regarde, dans ce monde-ci, que toutes les tavas, regarde dans la racine, c'est pour que toi, tu te dis, je suis. J'existe. C'est que ça. C'est que ça. D'aller avec des femmes. Alors, normalement, il y a la tava simple d'aller avec des femmes juste pour soi-même. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu un combat.
Je conquis des conquêtes. Je veux pas rentrer dans les détails, mais c'est devenu une gava. C'est devenu une gava. C'est quelque chose qui on peut pas comprendre. Combien c'est grave. Tout le manger. Le manger aujourd'hui. Normalement, on mange pour quoi? Pour se rassasier. On mange un bon plat chez nous à la maison, chez notre grand-mère. D'accord? Regardez en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les étoiles Michelin, les trucs avec des fumées, avec des... C'est devenu aujourd'hui un toute une autre... Un mec qui a faim, il mange pas ça. Ça, c'est juste pour déguster. Mais alors, ça a changé. Tu vois que tout a changé que au kivun de la gava. La racine de tout, c'est la gava. On est né là-dedans, Nathan. C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas là-dedans, il a moins de tahavot. Oui, mais c'est pas une excuse. Mita. Non, Nahan, voilà. Je te dis pas que c'est une excuse, voilà. Mais c'est pas dur. Mais tu sais c'est qui qu'on t'appelle les guides Michelin 5 étoiles. Jour au lendemain, nous on a mangé du Nahan, tu as raison mon frère. Mais c'est pour cela que je viens et je dis quoi? Je dis que l'autre côté qu'on t'a donné pour combattre, tu sais c'est qui qu'on t'a donné? C'est Rabbi Nachman, mon frère. Et lui, il a la possibilité de prendre un mec comme toi et de l'amener en Israël et de lui faire pousser des péotes. Ça suffit, mon frère. Ça répond à toutes tes réponses. C'est tout. Et nous tous, qu'on est là ici, chacun, il sait d'où il vient. Mais ça, c'est chaque seconde où tu dois le vivre. C'est pas... C'est pour ça que Rabbi Israël, il dit... C'est pour ça que Rabbi Israël, il dit... Rabbeinu, Hadash ou Mechadesh, Kol Rega. Rabbeinu, c'est pas il y a 200 ans. Rabbeinu, il est nouveau, il se renouvelle chaque instant. Chaque instant, il y a des nouveaux chidushim dans le Likutei Moharan. Des nouveaux conseils que Rabbeinu, il fait sortir aujourd'hui. Des forces qu'à l'époque, Rabbeinu, il n'avait pas. C'est vrai que ce monde, il est dur. Mais tu sais qui Hachem nous a donné? Il nous a donné le Rebbe, Rabbeinu, Rabbi Nachman. Que Rabbi Nachman, il peut se tenir, il dit Rabbi Israël, devant le plus grand obscurité qu'il y a dans le monde. Le plus grand. Rabbeinu, il fait, pff, et tout dégage. Parce qu'il est venu pour ça. C'est la force de l'attraction. Vous savez, il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Comment ça se passe, la force de l'attraction, mes amis? Physiquement. Vous savez, un petit peu? Il n'y a pas des chimies ici? Il y a des chimiciens, comment on dit? Non. Avec des chimistes. Plus la planète, pas la planète, la kohav, comment on dit? L'étoile. Plus l'étoile, elle est... Elle s'est concendée, plus elle a la force de l'attraction. D'accord? C'est en fonction des étoiles qu'ils ont éclaté. Et il y a des étoiles qu'ils se sont. Il y a une partie d'un noyau qu'il éclate extérieurement, et il y a une autre partie de l'étoile qui se contracte en elle-même. Jusqu'à qu'il y ait des planètes dans ce monde-ci, d'ailleurs dans le cosmos, qui sont grands d'un ballon de football. Mais c'est concendé, elle pèse des milliers de tonnes. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui s'est concendée en elle-même. Jusqu'à qu'elle est toute petite, mais elle est en masse, elle est énorme. C'est à cause d'une explosion. Plus la masse, elle est concentrée, plus elle a force d'attraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus j'ai subi dans ma vie, plus je suis concendé, je pèse. Et j'ai la force d'attraction. Tout ce qui t'arrive dans ce monde, mes amis, c'est pour un seul but. Pour te enlever ta gave. Tout. Tout ce que Hachem t'a fait comme problème dans ta vie, c'était un cadeau pour te enlever, pour que toi-même tu deviens un koach ha-meshicha. Toi-même tu deviens une force d'attraction. Parce que de la même façon que plus on est concendé, plus il y a plus de force d'attraction. C'est la force du monde, la tintou, c'est ça? Exactement! C'est comme ça, Hachem lui-même, il a fait. La force du Tzimtzoum et du Or Ensof. La contraction et comment Hachem, il s'est éloigné. Ça aussi, c'était une force d'attraction et de rétraction. C'est la même chose, Hachem, il a fait la même. De création du monde. Ouais. Tout le monde en entier, c'est ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, on croit que l'État vote, etc. Tout ce qui se passe dans ce monde-ci, on croit que c'est du mal. C'est pas obligé du mal. C'est juste une force qui t'attire de l'endroit pour que tu aies plus de gagouim, de languissement pour te rapprocher, et puis c'est tout. Ouais. Mais tout est bon, tout est bien, tout est top. C'est que juste pour que tu puisses apprécier, pour que tu puisses avoir du goût, c'est pour que tu puisses tenir encore et encore. C'est sinon vrai, c'est vrai que des fois tu peux être dans les yanim, mais quand tu as des choses à dire, tu le vis pas pareil. Marron, tu sais, grandis, tu dois voyager pour attirer des étincelles, pour aller récupérer. Exact. C'est quoi, si tu dois attirer des choses comme ça, tu dois reprendre. Il y a des choses qui t'appartiennent. Et il se colle à toi là où tu vas. C'est bon si t'as des choses à récupérer. Ah. Tu voulais aller où?
Et ça, mes amis, dans cette paracha de la semaine, mes amis, le numéro 8, c'est le seul numéro qu'on écrit, comment ? Infini. C'est l'infini. Dans l'infini, il y a la force de l'attraction et de la rétraction en même temps. C'est pour ça que c'est 2-0. 1-0 force d'attraction, 1-0 force de répulsion. Mais les deux, ils sont collés. Un, il rentre dans l'autre. C'est qui a la possibilité, la puissance de pouvoir mener, manager les deux forces comme il faut à la perfection ? Vayehi bayom hashmini. C'est Moshe Rabbeinu, le huitième jour. Moshe le tzadik, authentique, qui a, lui, les deux forces qui sont à la, comme il faut pour maintenir tout en une seule fois. Il rattrape les flèches. Le tzadik, ouais. Il y a un truc comme ça de rattraper quand la flèche est déjà partie. Nahon. Force d'attraction, ça aussi. Ça doit être, ouais. Ça doit être. C'est une sorte de... C'est encore plus fort que ça. Ça, c'est un niveau qui est encore beaucoup plus haut que... Le venin est parti. Ouais, ouais, c'est, ça, c'est des niveaux qui sont bien plus forts que ça. Et Pintras qui a volé aussi, c'est... il est sorti de l'attraction ou c'est encore... Il doit avoir, Tout ça, ça doit être collé. Mais mes amis, tout le... Si j'aurais le temps... C'est pourquoi je vous ai dit au début du cours, j'espère que je pourrais dire tout ce que je veux dire. Le match, il n'a pas compris. C'est que parce que, en vérité, mes amis, je peux maintenant m'asseoir avec vous et regardez toute la Torah, depuis Avraham Avinu, depuis Adam Arishon, jusqu'à la fin de toute la Torah, et je vais vous faire montrer comment tout, c'est une histoire de force d'attraction et de répulsion, comment on n'arrive pas à le mener comme il faut. Ou alors on ne veut pas, ou alors on n'a pas le temps, ou alors on est fainéant, ou alors on n'y croit pas. Et c'est toute une question de comment regarder les choses. Il a donné un conseil pour ça, Rabbeinu, il a dit, il a dit. Ouais. Je lis ce matin dans Michel Nefesh qui disait que là, un homme, il est censé rester dans sa maison toute la journée. Et en fait, comment cette force d'attraction, de répulsion, elle s'exerce quand il sort de chez lui pour aller travailler, ouais, Nahon aussi. Et dans ça, plein de choses. Rabbeinu, il dévoile plein de choses. C'est le principe du Marmite, plein de choses. Tout, tu verras que tout, on t'éloigne de ton but juste pour que tu te rapproches plus vite encore. Parce qu'on a dit, plus un homme, il s'éloigne de la force de l'attraction. Quand après, il arrive, la force de la répulsion s'arrête. Quand il est re-attiré à la force d'attraction, il descend plus vite. Pourquoi ? Parce que plus il se rapproche de la force d'attraction, il dit Rabbeinu, c'est ça tout le secret. Tout le secret, c'est que moi, je vais t'éloigner. Moi, je vais t'emmener très loin. Pas parce que t'es pas bon, t'es un méchant. Ou... C'est parce que t'as de la gava. C'est certain. Mais le moment où tu vas te réveiller. Moi, j'attends juste que tu te réveilles. Parce que dès que tu te réveilles, quand tu vas venir vers moi, ça sera double, triple et quadruple encore. Tu vas te rapprocher encore plus vite, parce que plus tu te rapproches plus vite. Quand un homme, il sait, dans tous les endroits là où il est, dans les situations là où il tombe, qu'en vérité, c'est juste un aller-retour, c'est un boomerang. C'est comme le 8. Tu descends dans un endroit très bas, mais c'est juste pour remonter encore plus vite et plus haut. Il dit, grâce à ça, tu vas découvrir des choses énormes. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit, Avraham Avinu ? Ve'anori afar va'efer. Il a dit, je suis de la terre et de la poussière. Pour rien, il a dit, je suis de la terre et de la poussière. Pourquoi on a dit je suis de la terre et de la poussière ? Parce qu'on a dit c'est quoi la force de l'attraction ? C'est la terre. Avraham Avinu, c'était la force de l'attraction. Et c'était qui la force de la répulsion à l'époque ? C'était Nimrod. Nimrod, il a tout fait pour éloigner le monde en entier de la force de l'attraction d'Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, lui, il a dit quoi ? Il a dit moi je suis humble. Tout celui qui est humble, il se rapprochera de moi. Il a construit la tour de Babel pour montrer qu'il était justement... Exactement. Et qu'est-ce qu'il a fait à Hachem ? Il a fait montrer à tout le monde que regardez, vous regardez, et c'est quoi la tour de Babel ? C'est la plus grande gava. Je veux craigner, moi. Regardez, après Yitzhak. Yitzhak, il a fait la shrita complètement comme un animal. Il a enlevé toute ça. Yaakov Avinu. Alors, mais t'es quoi ? Il n'y a que l'attraction, la répulsion n'existe pas en réalité ? Non, les deux, ils existent. Deux, c'est les forces. Mais, il faut savoir... Tout l'enseignement, c'est si tu n'aurais pas de gava, la force de l'attraction, elle t'aurait aspiré et tu serais un Yehudi Kacher. C'est ça la leçon qu'on apprend. On apprend que la seule chose qui nous enlève de la force de l'attraction, c'est la gava. Et ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, mes amis, on ne voit pas la grandeur du tzaddik. On ne voit pas. Quand on parle du tzaddik, alors c'est comme si un autre, il y en a aussi plein des grands. Et on ne voit pas la grandeur du tzaddik à émettre. Pourquoi ? C'est à cause de la gava. Si nous, même nous qu'on connaît, nous qu'on sait, nous aussi on ne voit pas et on ne découvre pas. Et des fois, comme tu as dit, on fait des conseils, ça ne marche pas.
Alors comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'il y a une seule réponse à ça et c'est que celle-là. C'est parce qu'on est rempli de gava. Le jour où on arrive à s'annuler, enlever la gava, là tu verras la grandeur du tzaddik. Vous savez mes amis, Rabbi Israël Ber, il a écrit un livre qui s'appelle Ibn Nahal. Dans le Ibn Nahal, Rabbi Israël, il a dévoilé des choses sur Rabbi Nachman que limite, quand tu réfléchis à ce qu'il a écrit, tu te dis c'est pas possible que c'est aussi grand. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. On dirait que l'effort, c'est pas possible. Il est trop fort. Il enlève trop vite tout le mal, tout le yetzera. Comment c'est possible? Tu sais comment lui, il a été zoché de découvrir ça, Rabbi Israël. Il n'a pas inventé. Rabbi Israël, comme lui, il s'est annulé totalement, totalement. Il a tout enlevé. Il a pu être attiré par la force de l'attraction du tzaddik, qu'il a découvert la grandeur du tzaddik. Comment? Rabbi Israël, il a souffert. Il a eu un enfant qui est mort, il a souffert le martyr, il était de la pauvreté, ses enfants, ils sont toute sa vie. Mais lui, comme il savait que tout ça, c'est quoi en fait? C'est pour enlever encore de la gava qu'il y a en moi. Et encore, je ne veux pas qu'il reste un pourcentage, je veux être complètement... Lui, plus il voyait, plus il recevait des choses, plus il enlevait sa gava, plus il découvrait la grandeur du tzaddik. Et lui nous a fait un cadeau que normalement, on ne doit pas avoir ce cadeau. Ça ne nous revient pas ce cadeau, mais il nous l'a fait quand même ce cadeau. C'est quoi? C'est qu'il a atteint un niveau tellement élevé sans gava qu'il nous a dévoilé tout ce qu'il a atteint sans gava. Il nous l'a donné à lui, à nous, qu'on est nous remplis de gava. Il a fait une combine, Rabbi Israël. Vous avez compris ce que je... C'est-à-dire, je répète, pour connaître la grandeur du tzaddik et boire la lumière d'Hachem, il faut être sans gava complètement, sans orgueil, complètement. Et là, on pourrait découvrir des choses énormes. Tant qu'on a encore de l'orgueil, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est la répulsion. C'est la répulsion, ça t'éloigne du tzaddik. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël? Lui, il s'est annulé totalement, il a annulé sa gava, il a tout. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est rapproché du tzaddik, il s'est rapproché, et là, il a découvert des lumières énormes. Tout ce qu'il a découvert, il a mis par écrit. Normalement, ça, c'est qu'un homme qui n'a pas de gava qui peut recevoir ça. Et il a donné à qui ce livre-là? À qui il a donné? À des gens comme nous qui sont remplis de gava. Donc en fait, il nous a découvert la lumière du tzaddik sans faire le parcours. Sans faire le parcours. Et là-bas, il écrit quoi? Là-bas, il nous fait montrer combien la lumière du tzaddik, elle est grande. Combien il y a la possibilité d'annuler toutes les tavot, tout le yetzerara, tout le mal qu'on a fait. Tout, c'est des choses qu'il y a écrit là-bas que si un homme, il comprend ce qu'il y a écrit et qui... Ibn Nahal, les lettres que Rabbi Israël il a écrit. C'est des lettres. Les gens, ils voient, c'est juste des lettres. C'est simple et c'est banal. Mais c'est pas du tout ça. Dedans, il y a des secrets énormes. C'est-à-dire, il faut lire et voir ce qu'il dit là-bas, Rabbi Israël. C'est des choses et des paroles que c'est écrit nulle part dans aucun livre. À l'époque, on ne pouvait pas écrire ces choses-là à cause de la marloquette. Aujourd'hui, Rabbi Israël les a dévoilées par une annulation totale. C'est pour ça qu'il a dit Aninanar. Et c'est ça tout le Inyan, ce cadeau. Et c'est ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine. Ouais, dans la paracha de la semaine. C'est tout dans l'histoire, comme c'est lui, il s'annule à Rabbeinu. C'est pas celui-là quand il a trouvé le livre. Non, c'est quoi? Ibn Nahal, c'est les lettres qu'il a écrites à Chazar. C'est les lettres qu'il les a écrites là-bas, c'est pas Béhémet des lettres. C'est des Torot Mamash et il les a envoyés à lui. C'est pas mon ami, c'est pas. Oui. Mais ça te parle à toi. Exactement, mais le concentré de la lettre en elle-même, c'est une Torah Mamash. Ah, bien sûr. Et là-bas, et ça, il faut Mamash, il faut les lire, il faut découvrir comment Rabbeinu, tu vois un homme qui a vu dans son maître une puissance qu'on a vu ça nulle part. Et ça, on n'y croit pas parce qu'on est rempli de Gava. Si on ne voit pas qu'on change, c'est parce qu'on est rempli de Gava, mais on change Béhémet. Pourquoi on ne veut pas, et pareil avec notre foyer, avec nos enfants, c'est toujours pareil. Des fois, on n'a pas un contact avec nos enfants. Ça s'appelle la force de la répulsion. Normalement, je devrais avoir de l'attraction avec mes enfants. Pourquoi j'ai pas un bon contact? Et pareil, là-bas aussi, il y a un problème. Il faut voir ce qu'est le problème. Avec une femme aussi, il y a un problème d'attraction. Comme la racine de tout, c'est le tzaddik Ahmed. Donc, chez le tzaddik Ahmed, on a la possibilité de tout acquérir. Quoi qu'il se passe. Maintenant, le plus beau, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est que comme on a dit de base, le tzaddik, c'est un tronc, et que tout le monde en entier, ce sont des racines, quoi qu'il se passe, tu reçois de lui. La question, c'est par quel chemin? Ou par 10e main, 20e main, ou alors par tout de suite, directement. Si tu es attaché à lui, c'est comme si tu reçois de lui directement. Donc c'est plus vite et c'est meilleur. Donc en fait, nous, ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, mes amis, tout notre travail qu'on doit apprendre aujourd'hui, il faut savoir une chose que s'il n'y aurait pas la force de la répulsion aujourd'hui,
On serait tous envolés vers Hachem, travailler, servir Hachem, sans avoir rien dans ce monde-ci. Nous tous, même vous tous, que vous, vous croyez que vous êtes loin d'Hachem. Comme Nadav et Aviou, alors ? D'une certaine façon, comme Nadav et Aviou. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé la force de la répulsion, qui sont les Tavot, etc. Pas pour nous faire des coups, pour le etc. C'est juste pour nous donner l'envie, encore plus, quand on tombe, de se renforcer, de refaire encore mieux et encore mieux et encore mieux. C'est tout. C'est que comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, qu'il n'y a qu'une force d'attraction, parce que toute la répulsion que le Sadiq donne, c'est pour t'attirer encore plus d'argent. Le premier l'écouta à la chote de ce Shabbat, il parle de quoi ? Il parle du premier Korban. C'est quoi le premier Korban ? Vous allez faire un veau. Et il dit Rashi, Aaron Akohen, pourquoi il va faire un veau ? Il dit Rashi, pour réparer le veau d'or. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le veau d'or ? C'est la force de la répulsion. Hachem, il a pris la force de la répulsion, il l'a rendu en force d'attraction. Il va prendre le même veau, il va le mettre dans Hachem, et là, ça va le rapprocher de Dieu. Ça veut dire, même la force de la répulsion, si tu arrives à le mettre dans le bon chemin, il devient la force de la rétraction. C'est-à-dire, en vérité, c'est un rond. Tu ne peux pas dire en haut, en bas. Là où tu es, là où ça se passe, tu sers à Kadosh Baruch Hu. Il faut juste que tu sois connecté dans ta tête. C'est tout. Il faut que tu saches que c'est toujours arrivé. Ça c'est passé cette année, c'est pour ramener encore plus. Nahon. C'est une révolution pour le. Nahon. Mais Zrat Hashem. Hazak ou Baruch. Hazak.